Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pardon, j'ai dû faire très peur aux gens qui n'étaient pas encore réveillés et qui n'avaient pas les oreilles devant leur écran. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux habitués, bienvenue à ceux qui sont avec nous depuis quelques jours sur les 3 jours Photoshop. Bienvenue à ceux qui sont avec nous du côté behance.net/live/fr et bienvenue aux gens qui sont avec nous du côté YouTube, sur la chaîne YouTube Adobe France. Donc, selon votre préférence, on essaye de vous garder avec nous, mais pour ceux qui sont au courant de tout ça, vous savez que si vous êtes plutôt sur Behance, moi, ça me permet de vous retrouver et ça me permet de regarder les portfolios des uns des autres, de découvrir plein de gens, plein d'artistes qui font des trucs très cool. Donc n'hésitez pas, hein. Le message, c'est si vous êtes sur YouTube, je vous passe le lien du Behance et comme ça, vous pouvez nous retrouver. Merci. Aujourd'hui, je reçois Dune et Sosoa. Bonjour. Salut. Bonjour. Et alors, en vrai, c'est écrit Dune et Sosoa, mais je dois dire Johan et Solène, c'est ça, hein? Ouais, oui, c'est ça. Écriture inclusive. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il faut que je dise Solène en premier? Mince. Non. Non, c'est l'ordre alphabétique. C'est comme tu veux, on te laisse Je veux le pas choix. De problème, je la laisse décider. Ouais, ouais, c'est elle le boss, on le voit de toute façon. Donc, bonjour, ouais, du coup, à tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour le chat, ouais. Dans le chat, il y a un paquet de monde. Je sais pas si tu t'es pas obligé de voir le chat parce que ça risque de déconcentrer. Je ne le regarderai pas. Et il y en a qu'un seul qui doit être déconcentré par le chat, c'est moi. Et d'ailleurs, un seul qui doit se rendre compte si le chat passe ou pas. Et surtout si on est au même niveau sonore, vous et moi. Du coup, ouais, pour Jérôme Bareil et Sophie B qui sont du côté du chat YouTube, rejoignez-nous sur Behance. Je vous mets le lien, hop, sur Behance. Comme ça, ce sera plus facile. Je pourrai me concentrer sur un seul écran et on sera vachement bien. On est au troisième jour des 3 jours Photoshop. Et qui dit troisième jour des 3 jours Photoshop dit plein de petites choses. Alors attention, je vais tenter un truc. Explose en vol et tout est cassé, tout ça. Mais ouais, on va y arriver. On va y arriver. Franck fait des tentatives de trucs extrêmement risqués. Vous imaginez même pas à quel point c'est risqué et à quel point je devrais pas faire ça pendant le direct. Donc je prends le risque de rendre notre discussion un peu hachée. C'est dommage. C'est dommage, mais on y arrive. Hop. Donc les 3 jours Photoshop, c'est ça. C'est une journée consacrée à la photo. Une journée consacrée à l'illustration et une journée consacrée au design. Et du coup, je vais vous poser la même question qu'hier. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là hier et avant-hier? Il y a des noms que je reconnais. Je vois Christian, Delphine, il y a des nouveaux, Emmanuel, Seisun, Jamila, Freepix, Sarah, Yves, Richard. Il y a plein de gens. Vous êtes très nombreux. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je dise bonjour à chacun d'entre vous. Mais en tout cas, les gens qui étaient là avec nous hier, eh bien, vous savez qu'on a parlé d'illustration avec Cruciforme, avec Schmax, avec Kyle Webster, en sachant d'ailleurs que Kyle nous a fait un grand tour de la couleur dans Photoshop et dans Fresco, donc il y avait vraiment des trucs très très chouettes à voir, très intéressants en termes de rendu d'image, donc ça c'est plutôt bien cool. Maxime nous a démonté tout un process de concept art, ça c'était hier à 14h, et tout ça c'est disponible en replay, donc si jamais vous arrivez genre là, 3 minutes en retard, vous dites zut, j'ai raté la session de ma vie, vous pouvez toujours prendre le replay à la volée et nous retrouver et retrouver les éléments qui vous auraient manqué. Donc ça, c'était hier, et mardi, on a travaillé sur la photographie avec Alyosha, avec Aishi, et avec Emily Guelpa, donc d'abord de la photo plutôt de rue, ensuite de la photo de nuit, ambiance cyberpunk, mais pas que, parce qu'on a quand même vu Angers en couleur cyberpunk, et ça a étonné les gens, genre « Ah ouais, c'est comme ça Angers, ça a l'air cool et tout !» Le public savait. Le public était déjà au courant de comment c'était Angers dans la vraie vie. Merci en tout cas à Aishi d'avoir partagé ça. Et Emily Guelpa nous a fait tout un tour dans sa cuisine et nous a partagé en fait tous ses rendus photos de nourriture. Elle vient du blog Griotte. Donc pour les gens, les amateurs de photos, ben, on a pu partager tout ça et c'était assez chouette. L'autre point qui va être intéressant pour vous, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée design.
Et qui dit journée design dit qu'on va avoir des sujets très particuliers. Enfin, je vous mets la petite vignette qui va bien. On va avoir d'abord, là maintenant, Dune et Sosoa, dès que j'aurai fini de dire des bêtises de présentation, qui sont, si vous deviez vous définir en deux mots, en quelques mots. Deux mots, c'est Dune et Sosoa, mais en quelques mots... Donc tu comptes pas l'esperluette comme un mot. Ah, c'est vrai. Alors, du coup, je devrais être encore plus strict. Mais ouais. Non, mais du coup, ouais, ça fait 15 ans qu'on travaille tous les deux en fait à notre compte. On fait globalement de la direction artistique sur des projets assez divers en fait, comme on pourrait avoir du travail d'identité. Ce qu'on va voir là, en fait, on a préparé justement l'atelier pour cette intervention. On a préparé quelque chose plutôt autour de l'identité. Mais après, on a aussi un volet un peu illustratif. On a bossé sur des campagnes de communication qui étaient un peu plus larges et là, qui peut aller du corporate à de l'événementiel. Donc, c'est assez... de manière, sinon, en général, on fait partie aussi notamment d'un cluster, donc Atlan Games, donc, qui fédère en fait plusieurs studios de jeux vidéo. Donc, on dit cluster encore en 2021 ? Alors, ouais. C'est vrai que c'est maintenant je pensais que le mot avait été banni. Je me rends compte que voilà. Donc donc du coup une grosse association qui fédère en fait tous les studios ou alors des professionnels qui gravitent autour du jeu vidéo et des studios de jeux dont on fait partie. Donc voilà. Donc c'est souvent pour ça qu'on nous met la casquette du fait de travailler dans le jeu vidéo, mais en fait, c'est vraiment, on vient plutôt de la partie graphique et design, ouais. Et on apporte un peu notre pierre un peu à l'édifice dans des projets de jeux généralement. Cool, très très bien. Donc ça, c'est vous êtes avec nous pour une heure et demie. Ensuite, on aura, alors pour les habitués de la semaine, vous avez sans doute vu ça. Vous avez sans doute vu ça entre les sessions. On a des intermèdes avec des artistes, avec des gens qui nous présentent leur projet, leur travail. Il y aura Daté Tétégan, il y aura Richard Maillot, il y aura Julien Tabé, Olivier Huard, qui m'ont fait des petits timelapses de boulot assez cool à regarder. Donc ça devrait vous plaire aussi. On enchaînera à 14h avec Mr. Xerti, Brice Chapelet, qui était déjà passé il y a quelques temps, puis on va voir, il a fait plein de trucs nouveaux, il y a plein de mélanges de photocomposition, de photobash, comme on appelle ça maintenant, parce qu'il y a un terme anglo-saxon pour ça. C'est plus photocomposition à l'ancienne. Et on terminera avec les créatonautes, qui s'éclatent à mixer des éléments de la vie quotidienne et des petits animaux. Je pense que vous allez en prendre plein les yeux encore aujourd'hui. Hop, je nous remets plutôt sur ce fond là, on est plutôt bien, on a récupéré le son et on a récupéré le petit décalage, puis je vais peut-être passer sur votre écran pour que vous puissiez partager ouais. Un petit peu tout ça, qu'on comprenne un peu qui sont Dune et Sosoa en image. Ouais. Bon, du coup, on va commencer d'abord, a priori, par un grand vide. Qui est notre site internet. Voilà, notre site se résume à une page pour le moment. Alors, j'avoue, on est un peu les mauvais élèves. Il se trouve juste que, du coup, en ce moment, on est en train de refaire complètement le portfolio, mais pas que le contenu, mais aussi le contenant. Et donc, du coup, il n'était pas prêt. Mais bon, c'est pas grave. Comme c'est un peu long de travailler sur son site internet, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dessus, mais c'est toujours pas encore en ligne. Je crois que c'est le concept du cordonnier sur le site internet. Voilà. Exactement, le cordonnier mal chaussé. Bah oui, parce que exactement. Ça faisait 9 ans qu'on avait le même site chacun de notre côté. Et du coup, là, on regroupe tous les deux nos deux sites sur un seul. Donc, ça va être quand même plus simple. C'était ça l'objectif. Ouais. Donc du coup, mais on a quand même, on a quand même le Behance qu'on a mis à jour pour quand même pouvoir montrer pas mal de choses. Bah, on peut commencer par là, ouais, du coup. Oui, parce que de toute façon, Behance, c'est un peu la maison chez nous, tu vois. Oui, on va rester corpo quand même. Non, mais et surtout, normalement, tout le monde est déjà un peu sur Behance, donc ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Du coup, nous, on a mis à jour, effectivement, certains projets, alors pas tous, parce que... du coup, comme on était sur le portfolio, bon voilà, mais on en a quand même quelques-uns. Par contre, on peut commencer alors dans un projet de vraiment plus institutionnel. Enfin, on peut commencer par Manitou. Ouais, ouais. C'est assez varié. Hein. Donc là, ça va être plutôt dans l'industrie, donc pour la société Manitou. Mm-hmm. Donc c'est les gens qui font les transports. Les gens connaissent. Ouais. Qui font... Voilà, c'est ça. C'est les machines de manutention. Mm-hmm. On voit un petit peu partout.
Voilà, donc là, on a travaillé sur une campagne de communication pour eux, pour leur salon. Donc, Ouais, c'est à destination des régions, parce que ce qu'ils appellent R2, donc c'était Asie, Métropolide. Afrique et Amérique du Sud. D'accord. Et donc, du coup, c'était de pouvoir montrer en fait la versatilité de leur machine, c'est-à-dire que justement telle machine pouvait passer sur tel autre secteur. Ils ont trois grands secteurs en fait, l'agriculture, la construction et L'industrie. l'industrie. Donc on a créé des posters en fait pour chaque secteur. Et donc là on a sur Behance, on a mis un case study donc de tout ce travail qu'on a effectué pour eux. D'accord. On peut peut-être commencer par le brief de départ, le concept en fait, même général, non? Ouais. Genre là, en fait, on était parti sur l'idée pour montrer l'aspect versatile, en fait, l'idée qui a été retenue. Alors, ce qu'on voit en bas à droite, c'est vraiment le croquis, on va vous montrer ça après. Mais en gros, c'était jouer sur trois faces d'un cube, faire des planètes, en Ouais, fait. des mini-planètes, ouais, Voilà. Et cubiques. l'idée, c'était que chaque face représentait un de leurs segments d'activité, c'est-à-dire il y avait construction, donc industrie et agriculture, mais, enfin peu importe dans l'ordre, mais et l'idée c'était de jouer avec comme un Rubik's Cube en fait, un morceau qui se met à tourner, faire comprendre en fait le côté genre voilà translation et puis voilà le côté efficace de leur machine quoi. Donc voilà, on a réalisé voilà des mini planètes. Donc pour mettre sur ces planètes, on a fait pas mal d'assets, notamment bah, forcément des véhicules, des bâtiments, et on a travaillé donc avec un collègue qui nous a Ouais. fait la modélisation en 3D, Denis qui s'appelle Lino. Denis Minot. Donc nous on lui a fourni voilà les maquettes, les croquis, et puis lui après a modélisé tout ça, et on est revenu après en post-prod, on a fait tout un compositing sur l'image pour finaliser le rendu. Ouais. Pour montrer peut-être même plus efficacement, en fait, on avait préparé un fichier, on peut vous montrer ça. Bah, carrément, ouais. Alors, par Vas-y, exemple, dis-le. juste pour donner la finalité, alors. Juste pour la finalité du projet, je vais descendre tout en bas. Ça, c'est le visuel, on va dire, principal, final. En fait, là, tu te retrouves en fait avec vraiment les trois secteurs d'activité. L'idée, en fait, c'est qu'ils étaient plutôt satisfaits en fait de ce concept, mais à tel point qu'en fait, ils ont voulu qu'on fasse finalement un cube carrément par segment. C'est-à-dire qu'on a fait carrément un cube construction, un cube industrie et un cube agriculture. Et en fait, on va dire le best-of, finalement, il rassemble une face de chaque segment. Donc, pour vous montrer, en fait, ici, voilà, alors je vais montrer ça de manière brute, mais aussi ça va vous permettre de voir, parce que les visuels étaient faits pour des grands formats. Ça devait C'était être. du kakémono, des trucs affichés Non, c'était carrément vraiment C'était beaucoup du. plus grand. Ouais, C'était ça pouvait atteindre sur jusque du mur, 6 quoi. mètres de haut, quoi. Ah oui, du bon Donc, format. la grosse. Et le Ouais. tout à 300 dpi pour que ce soit drôle. Ouais, alors ça a été une horreur. En Oui. fait, je ne vais pas te mentir, on a dû faire du versionning pour chaque face et c'était long. Après, c'était vraiment. Alors, juste pour, tu vois, pour te montrer, hein, on peut pas mal zoomer hein, dans le visuel. Hein. Alors attends, on n'y est pas encore parce que évidemment la connexion Ah, je t'en fait prie, je de t'en son prie. mieux. Je t'en prie. Ça y est, on est arrivé sur le Manitou rouge. Tout va bien. Voilà. Avec le squelette de dinosaure qui est sûrement des voussoirs de tunnel. Exactement. Donc en fait, pour faire simple, au tout départ, en fait, on a surtout commencé par un. Alors tu n'hésites pas à me dire, hein, du coup, s'il y a Non, non, là, des ça, ouais, soucis ça de va, c'est bon. latence. C'est, en fait, Voilà. on n'aura pas le scrubby zoom de D'accord. Photoshop qu'on aime bien, enfin, que j'aime bien. Ouais. Donc là, l'idée, c'est qu'on a commencé par dégrossir. Par exemple, là, c'est pour la planète, c'était la planète construction. Et donc, on a commencé par dégrossir, en fait, avec le client. Bon, déjà, ne serait-ce que le nombre de machines qu'il voulait par face, ce qu'elle fallait qu'elle fasse. Parce que ça, finalement, c'est bien de faire du beau, mais pour un client, surtout dans l'industrie, il faut que ça soit efficace pour lui, il faut que ça raconte quelque chose. On avait vraiment trois faces. Là, on avait plutôt la face Amérique du Sud, plutôt en haut. Ici, on avait plutôt l'Asie, avec le temple de Angkor. Alors après, on va vous montrer, mais on avait détaillé un peu plus les croquis. Hein.
Et là, c'était plus l'Asie, mais vraiment construction urbaine. Ville, quoi. D'accord, ouais. Donc, une fois qu'on avait ça, il faut voir qu'en fait, on a été, par exemple, chaque élément, par exemple, voilà, ça, c'est du croquis qu'on a réalisé là sous Photoshop. On savait que, par exemple, à côté de Angkor, on voulait des cabanes en pilotis, mais comme on avait un aspect très minimaliste, voilà, il fallait que ça reste, entre guillemets, du low poly. Voilà. Là, notamment aussi, le temple de Angkor. Alors, je vais peut-être l'ouvrir, lui. Hop. Parce que, du coup, même si on allait grossi, on savait ce qu'on voulait en termes d'approche. Donc, c'est très anguleux, très. Très maquette, en fait, ça fait comme Voilà. une très maquette. Voilà. En sachant qu'effectivement, une fois qu'on a la version maquette blanche, là, quand on revient, par exemple, sur le temple de Angkor, bon, bah, on a travaillé, l'idée pour obtenir ce qu'on souhaitait vraiment avoir, en fait. Donc, quand on regarde le croquis, entre guillemets, hein, de base, voilà, et Qui est le complètement résultat. blanc pour le volume et tout. Voilà. Et donc, après, on avait vraiment une étape de couleur. Alors, là, il y a eu plein d'étapes avec les éclairages. On a pas mal bossé donc avec notre collègue, là, Denis. Et il y a une chose notamment qu'on voit, c'est les sols. Les sols ont demandé un gros travail de ce qu'on peut voir donc avec la technique du bump. Pour faire simple, en fait, c'est que on a travaillé les sols à plat. Je les ai mis ici. On les a travaillés à plat. Donc là, vous voyez, par exemple, Alors, on voit pas encore, mais ça va venir. Faut que ça rafraîchisse. ouais, il n'y a pas de souci. C'est bon. Là, on est sur l'écran des bumps, des textures. Donc là, sur les sols, l'idée, c'était de ce qu'on voulait. Alors, en fait, désolé, hein, je vais réouvrir parce que bon, je me rends compte qu'on ne voit pas grand-chose. Et ce sera plus intéressant de le montrer, je pense, en. Tac, voilà. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que sur les sols, notamment ici, donc là, on est sur le temple de Angkor, justement. Alors, ça paraît très cracra comme ça. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'on ne voulait pas tomber dans du réalisme réel, enfin, à tout prix. On voulait que ça reste vraiment un aspect de Un peu maquette. crayonné, un peu maquette, un peu peinture quand même, Ouais. quoi. Et là, ce qui est un peu schizophrène dans la façon de travailler, c'est que même si ça paraît laid comme ça, en fait, il fallait penser au bump. Donc, en fait, on a cette même map. Voilà. Et on va retravailler en fait exactement en Au noir et niveau de blanc gris, et en ouais. niveau de gris pour travailler en fait tout ce qui va être sombre va être en profondeur et blanc en hauteur. Ce qui fait D'accord. que malgré tout, sur le résultat final, on était vraiment après avoir réintégré les maps, on a vraiment du coup une approche qui reste, on va dire, naturelle entre guillemets, c'est-à-dire. Ce qu'on voulait, c'est que on ait un sentiment en fait de terre ou d'herbe, mais en restant vraiment simple, tu vois, dans l'approche, parce qu'on savait que les décors allaient être riches, quoi. Et au final, donc là, je vais vous montrer sur la version post-prod, voilà. Ça, c'est tout l'étape de compositing qu'on a fait après le rendu couleur en 3D. Par-dessus, il y a un énorme travail voilà, de texture qu'on a ajouté, de lumière, de la Ouais. fumée. On a ajouté. Qu'est-ce Bah, qu'on a pas mal de ajouté? particules, Ouais. on a ajouté des blagues, Indiana Jones, ça c'est drôle, Il c'est excellent. ne faisait pas partie du brief de départ, en fait. Pas tout à Non, fait, non. là ici on a rajouté un petit Heisenberg, parce que ça aussi c'est excellent. Non, mais voilà, l'idée après, voilà, c'était de rajouter des choses et d'autres. Mais en fait, là par exemple, pour vous montrer sur les surfaces, parce qu'en fait c'est pareil, il y a trois faces. Il y a une face qui est éclairée, on va dire comme s'il était midi. Et une autre où c'est vraiment un travail plus de nocturne. Et là, par exemple, typiquement, tu vois, si je t'enlève la post-prod, et encore, hein, là, il y a des étapes, on va pas tout sortir, mais là, si je reviens sur la prod, sur la vraiment un travail de lumière, bon, il y a beaucoup d'étapes. Mais tu vois, ici, encore une fois, les maps, alors sans la ressortir, mais le travail de bump, On c'est entend. hyper. Voilà, donc là, c'est sur le chantier, par exemple.
Ouais, les maps de texture, en fait, c'est ce qui te fait gagner du temps, c'est ce qui te fait gagner la qualité, ouais, sans être obligé de modéliser chaque caillou. C'est ça. En fait, c'est de manière artificielle, tu vois, tu vas amener, par exemple, là, tu vois, tout ce qui est les routes et tout. Alors, on l'a travaillé de manière assez simple au départ, que ce soit Illustrator pour placer, tracer les routes, ce genre de choses. Mais on est quand même revenu sous Photoshop, amener un peu de texture, ce genre de choses. Et pour amener le côté organique, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, le côté exactement. Minéral, organique. Voilà. Et là, tu vois, le bump, donc peut-être qu'il y a une latence, mais... Ouais, c'est bon, on y est. Là, par exemple, tu vois, sur les lignes de signalisation, on a mis un très léger bump, en fait, c'est bête à dire, mais je sais pas, moi, c'est comme sur un... Comme sur une vraie route, en ouais, fait. Ouais, un parking, tu vois. La peinture, elle va avoir une petite épaisseur quand même. Une petite épaisseur. Coup, ce qui fait que tu vas la retrouver un peu, en fait, si tu viens regarder, dans ta 3D, tu vas avoir en fait, finalement, ton volume qui va être, que tu vas retrouver sur les bandes de couleurs, enfin, voilà. Mais bon, voilà, l'idée, c'était un peu de faire un tour... Là aussi, il y a Batman, excellent. Et donc, du coup, voilà. Non, alors ça a bien plu. Le côté Indiana Jones, ça a beaucoup plu aux gens dans le chat. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que ça, c'était pour dégrossir un peu. Mm-hmm. Mais si je reviens sur le Behance, effectivement, je vais remonter tout en haut, c'est qu'on a eu quand même 6 planètes à faire. Donc, ouais, c'est énormément six de boulot. 6 comme ça. 6 avec 3 faces à chaque fois. Ouais. Ça fait 18 faces. En fait, on en a fait 6 et on en a fait une 7e qui est en fait la best-of, qui est en fait celle que je te disais tout à l'heure avec l'aspect. Bah, en fait, tiens, tu sais quoi, je vais t'ouvrir aussi parce que. Tant qu'à faire. On est là, on est bien, on est ensemble, peinard. On va y passer, je ne sais pas combien de temps. Attends, c'est cool de toute façon. Il y a Greg Butet nous disait vive le grand format, Instagram, c'est beaucoup trop petit. Bah oui, parce que alors ça, c'est. Alors pour la blague. Forcément, comme tout le monde, hein, quand tu travailles, surtout dans l'aspect visuel d'ailleurs, ou même sonore, enfin, peu importe, tu partages, tu vois, ton travail. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire Behance, c'est là, c'est pour ça. Mais Behance, bon, bah, très bien, tu vois, tu peux afficher du format assez grand. Mais j'avoue, par exemple, Instagram, c'était une plaie pour présenter ce projet, ça, parce ça que rend ça pas, rend rien du tout, en fait. C'est ça, oui, même en faisant les petits découpages de grilles et tout, ça reste microscopique. Donc, comme je te disais, on avait 6 planètes et une 7e qui est celle-là. La 7e, c'est la best-of. Mm-hmm. Donc, il reprend une face de chaque. Alors, 6, non, parce qu'en fait, ouais, il y a 3 planètes au départ et après, on en avait 3 après. Mais bon, peu importe. On va pas. Mais l'idée, c'est qu'ici, voilà, l'idée, c'était de jouer sur cette. En fait, de sentir comme si, donc, voilà, tu avais un Rubik's Cube, quoi. De sentir vraiment le mouvement de ta face qui va se retourner. Voilà, là, ici, c'est plutôt l'aspect agriculture dans les pays d'Afrique, Afrique du Nord. Et hop, en fait, de se retrouver avec construction. Voilà, donc on voulait sentir le mouvement. Pouvoir embarquer les trucs et pouvoir... Voilà. Alors, moi, tu vois, je vois ça, et j'ai une idée, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a une version... est-ce qu'il y a une version 3D de ça? Non, alors la version physique, why not? Mais une version 3D où tu puisses jouer, où tu puisses tourner autour, ou où il y a trop de Photoshop derrière pour faire ça? Non, alors en fait, non, mais sur cette version, clairement, comme on l'a travaillé pour des visuels en 2D, on pourrait pas l'avoir là et le manipuler en 3D tel quel. Pour l'instant. Par contre, Spider-Man, c'est rigolo. On va réfléchir à effectivement une version sur laquelle on puisse tourner autour. Ouais. C'est en cours, on va dire. Mmh. On y réfléchit actuellement. Mais là, sur cette version. Ah, Ghostbusters. C'est drôle. T'es en train de donner tous les easter eggs qui sont cachés dedans. Exactement, c'est ça. Est-ce que vous ou le client avez fait une chasse au trésor, essayer de retrouver les easter eggs ou pas du tout? En fait, c'était l'idée. Ouais. C'est visuel. Hop là, excuse-moi. Là, en fait, l'idée, c'était exactement ça. Ces easter eggs, en fait, c'était vraiment plus pour eux, pour de la com, mais ils n'ont pas été réutilisés sur les impressions finales. C'était peut-être plus en interne, non? Ouais, à vrai dire, ça venait vraiment de... Tu dis ils n'ont pas été utilisés dans les impressions au final, ils ont une version où il n'y a pas Spider-Man et tout ça? Ah oui, oui, oui. Ouais.
Ça, c'est c'est un peu, tu gâches le Noël. Ah non, non, mais ouais, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que tu te retrouves sur des questions de droit, tu vois. Enfin, Ah. bon, c'est bête à dire, hein, mais en termes de typologie de clients, Manitou, c'est très cool, hein, c'est pas la question, mais tu es quand même dans l'industrie, tu peux pas te permettre, tu vois, d'avoir ce genre. C'était déjà un gros changement pour eux d'aller dans une communication comme celle-ci. Hyper Ouais. C'était un visuel, peu hyper très nouveau. jeune et tout. Donc bon, fallait pas non plus trop pousser. Voilà. Mais donc on avait vraiment trois planètes et en fait on a fait une série de trois autres comme je disais qui étaient moins des planètes que plutôt des tranches D'accord, dans la ouais. Terre en fait. C'était hyper intéressant aussi. Et là, Enfin, pareil, même process. Donc, du croquis, de la mode sur process est le même. CKD. Ouais, Complètement. complètement. On a tout designé. Je te dirais que là tu me diras quand c'est OK, mais par exemple tous les On y revient. containers, on a bossé les containers. Bon, Mais après, il y alors, a peut-être des ça petits doit te trous. faire à la fin une bibliothèque d'objets 3D à utiliser qui doit être assez folle, quoi. C'est un. Là, à vrai dire, en fait, on est justement sur ce projet-là. On est en pourparler avec eux pour une suite, justement, qui serait plutôt Faire dans une série. l'interaction. Une Ouais, série mais. animée de personnages qui bougent comme ça. Alors, peut-être pas un truc pour les chaînes Arte des dessins animés pour enfants, mais en tout cas d'avoir vraiment un projet d'interactivité en fait. Ouais, interactivité, Voilà. animation, voilà, pouvoir ouais, animer toutes ces scènes-là, les utiliser autrement, quoi. Ouais, Voilà. c'est clair, parce que là c'est vraiment tentant, quoi. Tout le matos est là, y a plus qu'à jouer. Ouais. Donc ça c'est voilà. Donc là c'était pour faire un petit tour là ça sur ce projet-là. Après, on peut passer à. Dis-moi. Bah, non, mais je disais un autre Un autre projet, type parce de que projet? sinon, on va passer. Ouais, bah oui. Ouais, parce que bon là en fait finalement effectivement si on finit tu vois sur le case study, donc je sais pas si de ton côté c'est revenu, mais du coup sur le case study voilà on a développé un peu tout ça. Ouais. Ah, voilà, tout est expliqué Voilà. Les personnages, sur bon le ça reste process. simple. Donc on peut retrouver ça Et sur le là, tu vois, on process. retrouve le croquis, la phase 3D, comme on disait, tu vois. Là, on a fait des zooms comme on pouvait, tu vois, sur le Behance. Mais bon, du coup, ça reste, voilà, ça reste assez explicite sur le Behance. Et puis comme c'est assez varié, du coup, on peut pas assez montrer plus un projet dans le jeu vidéo. Donc Ah, clairement. dernièrement, on a travaillé pour un jeu qui s'appelle Picolors Griddler. Donc c'est un jeu de Picross Alors, avec explique Picross pour les gens qui passent pas leur temps à jouer aux jeux vidéo. Pour Est-ce qu'il y a simplifier, moi je dirais des que gens c'est du. sérieux? Attends, je vais faire mon sondage dans le Dis-moi chat. expliquer. C'est du Parce que. sudoku, mais avec des couleurs. Ouais, c'est du sudoku en mode pixel de couleur, remplir des Voilà. cases en couleur pour créer une image, on va dire. Ouais. J'avais une petite question que j'ai pas vu passer de Yves. Est-ce que tu as dû changer d'ordi pour traiter des tailles pareilles de documents? C'était pas simple. Alors, en fait, pour la blague, c'est que je ne l'ai pas changé, mais une fois que j'ai fini le projet, oui, je l'ai changé parce qu'en fait, je l'ai fait tellement transpirer que Ça va être ça. l'ordinateur, il n'en pouvait plus. Hein. Mais je l'ai changé après, ouais. Mais oui, ça a été compliqué, autant dire que sur le Manitou, pour juste 2 secondes, mais effectivement, il y avait des fois sur le compositing, sans blaguer, hein, et pourtant je faisais du versionning, hein, face par face et compagnie. Franchement, des fois, je faisais. Et puis, tu es obligé de sauvegarder. Alors, oui, parce que tu peux avoir ton ordinateur, tu le sollicites tellement qu'il plante, tu perds un quart d'heure, 20 minutes de boulot. C'est l'horreur. Sauf qu'en fait, ta sauvegarde, quand tu fais un POMS, tu te retrouves à attendre de toute façon un quart d'heure que ça sauvegarde. Pas besoin de dire qu'on était en PSB, hein, Ouais, alors, pour effectivement, chaque toi, tu as fichier. suivi la session d'hier. Je vois. Oui. Tout le monde est au point maintenant dans le live, dans le chat, sur le PSB, le Photoshop Big Document, c'est bon pour vous. Et j'ai donc réponse au sondage sur Picross, à part Richard qui a joué à Mario Picross sur Game Boy. Bah, c'est les inventeurs en fait. Nintendo, il me semble bien que c'est Nintendo l'inventeur du Picross, enfin, qui est à l'origine du Picross. Et oui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, enfin, j'allais dire connu. C'est dans le jeu, ça reste du, C'est un peu niche, c'est mais un peu niche, mais ça reste un jeu de réflexion. Tu fais des petites sessions, quoi. Quand je dis c'est du sudoku de couleur,
On n'est pas loin d'être dans la vérité, mais après, c'est très résumé de dire ça. C'est surtout qu'à la fin, en fait, quand tu as fini ta grille, tu obtiens un visuel en pixel art, finalement. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors vas-y, montre-nous un petit peu. Voilà, donc Picolors Picolors Griller, et bien, sur ce jeu, on a travaillé sur tout. On a fait toute la direction artistique du jeu. Donc ça passe là par l'identité qu'on peut voir. Griller. Donc voilà le logo du jeu. Donc c'est un jeu mobile et tablette. Je veux dire sur l'identité. Bah, sur l'identité, ouais, ça a été Voilà, on le voit un premier petit jet. peu le process là. La particularité de ce jeu de Picross, parce que d'habitude, un jeu de Picross, j'ai envie de dire, c'est vraiment des grilles que tu vas enchaîner. Là, la particularité de ce projet-là, c'est que c'est un jeu de Picross, mais avec une petite narration qui reste, j'allais dire, enfantine. Dans la direction, c'est que c'est ce qui était voulu. C'était quelque chose d'assez léger. On voulait vraiment, j'allais dire, on voulait, après, c'est des choses dont on a discuté avec le client, mais de toute façon, le client voulait cette direction-là. Des personnages animaux. Voilà, anthropomorphe, mais bon, on va dire mignon. C'était l'inspiration Et Animal Crossing du moment. alors c'est ouais, alors c'était avant. Nous on l'avait fait avant, enfin non, je dis avant. Animal Crossing ça existe depuis un bail effectivement, mais c'était avant le drame. Avant la dernière version. Et donc voilà, et donc du coup la première chose c'était de créer en fait alors l'identité, mais c'était aussi de créer très vite le personnage, le petit héros du jeu qui s'appelle Gan, qu'on retrouve ici Un donc dans des éléphant. recherches de chara-design. Alors c'est du vrac, hein, mais il y a de la recherche d'expression, de la recherche de position, de la recherche de. Mais pour finir finalement sur quelque chose de voilà, comme on le voit là, d'assez coloré parce que c'est un peu l'idée. Voilà. Vu que tu manies les couleurs dans le jeu, il y avait vraiment ce. Et donc après on retrouve toute une galerie de personnages sur ce jeu. Donc il y en a pas mal. À savoir que chacun d'entre eux dans l'histoire, par chapitre, tiens, je peux ouvrir aussi un fichier, c'est que Chaque chapitre, c'est une histoire en fait, et on conduit le personnage à résoudre un peu des problématiques. Et voilà, il va rencontrer plein de personnages, et puis il va leur expliquer leurs problèmes, et voilà, on règle le problème, et ouais. youpi. Et donc du coup là, tu vois, je te montrais les recherches. Donc tu vois, tu avais notamment aussi des recherches sur les positions de main, ne serait-ce que pour l'appréhension, tu vois, d'objets, parce que dans le jeu, tu as Des pouvoirs. des pouvoirs, voilà. Et donc du coup, il va pouvoir tenir certains items, enfin, voilà. Et en fait, pour faire simple, c'est que les personnages, on a bossé, tous les personnages qu'on voit là, en fait, ont plusieurs positions. Alors ils sont un peu animés, légèrement. Ça reste pas du dessin animé, mais il y a des animes. D'ailleurs, on a travaillé avec un ami, Cédric Berthier, qui a travaillé sur le travail des animes de perso. Alors, je les ai pas là, malheureusement. Mais pour vous expliquer, là, par exemple, on a un personnage qui est un professeur. Voilà, là, plutôt à faire son cours très professoral. Là, on le retrouve plutôt énervé, parce que ça aime pas trop les bavardages en fond de classe. Hop. Et puis là, voilà, c'est pas vous qui pouvez partir, c'est pas la cloche qui sonne la fin du cours, c'est moi qui décide quand vous pouvez partir. Ah oui, Ah bon, il y voilà. avait tout un brief avec chaque personnage avant de dessiner. Et tu Exactement. dis Chaque fois, ouais. animation, donc Ouais. Là, tout est ça se passe découpé. comment dans ces cas-là? Alors là, tout est découpé, ça se voit pas. Et alors, je suis désolé, c'est pareil pour des questions de. Pour le live, pour les ressources et tout, comme c'est pas ce projet-là qu'on va décortiquer après, pour le coup, celui-là, je l'ai pas tenté pour pas se retrouver avec des problèmes de performance. Mais en gros, tout est découpé là, si tu veux. Le bras, tu vois, bon, ce qui est très facile de voir ici, le bras arrière, le bras avant, là, c'est plus compliqué parce que pour la découpe, tu vois, qui vient sur le thorax, enfin, en gros, il faut que tu gères ta découpe de manière à ce que ça ne se voit pas si c'est animé. Mais oui, tout est décomposé pour que derrière le collègue puisse animer le personnage comme il le souhaite, quoi. D'accord. Voilà. Donc on a vraiment toute une galerie de persos avec plein d'états, puisque dans l'histoire, ça raconte vraiment quelque chose. Voilà. Hamza en statue qui fait un dab. Dieu merci, ça n'existe plus. Ça y est, c'est fini ça. En Enfin, je même temps, il n'y a plus pense, de foot, hein. donc. Je suis OK boomer rien que d'avoir dessiné ça, tu vois. Et donc du coup voilà, donc mais
C'est hyper intéressant en fait, parce que là où c'était cool sur ce projet, c'est que le client C'était vraiment varié, on ouais. a tout fait, Il nous a fait de confiance. l'identité jusqu'au chara-design, voilà, On s'est jusqu'au marré, quoi. décor du jeu, jusqu'à l'interface. On a vraiment tout fait et ça, c'est vraiment, Ouais, on va c'était aller un super projet. sur les décors C'était notamment. vraiment très sympa à faire, quoi. Là. J'ai une question sur le chat. J'ai beaucoup de questions Parfait. sur le temps des projets, que ce soit celui-ci ou Manitou. C'est combien d'heures de travail sur ce type de projet? Est-ce que vous arriviez à mesurer, à quantifier vos heures de travail? C'est franchement. La question piège. Ouais, c'est compliqué. En fait, déjà, il y a plein de choses qui sont différentes. C'est-à-dire que tu prends un projet comme Manitou. Bon, là, ça a été compliqué parce que là où on s'est fait, entre guillemets, piéger, mais ça s'est très bien passé et on s'est retrouvé. Je veux dire, il n'y a pas de question de. Ça s'est très bien Ouais, passé. c'est plutôt de se laisser emporter que de se faire piéger, quoi, souvent. Ouais, mais là, en fait, par exemple, pour Manitou, tu te fais emporter plutôt à un moment donné par les performances de ta machine. Et Ouais. c'est-à-dire que, en fait, là où ça a été dur, c'est que comme c'était des visuels qui étaient amenés à être pour du très grand format, en fait, même si on avait quand même des bonnes bécanes, il y a quand même un moment donné, vraiment, ça transpire. Donc, du coup, tu te retrouves vraiment à devoir faire des compromis et voilà. Bon, mais ça s'est très bien passé. Par contre, tu vois, sur un projet de jeu, là où c'est encore différent, c'est qu'il y a pas mal de fois tu vas fonctionner par ce qu'on appelle des sprints. Donc, du coup, là où je dirais que c'est compliqué de dire on a passé tant de temps, c'est que tu vas avoir telle date échéance, et ainsi de suite, avec ce qu'on aime bien utiliser dans le travail, la méthode agile. Mais en fait, en vrai, ce qui est compliqué, la méthode agile, c'est que des fois, toi, quand tu as pensé quelque chose et que tu dois le refaire, ça peut être contraignant aussi, tu vois. Enfin, donc, en fait, c'est, ouais, on On peut l'a. pas dire en nombre d'heures, par exemple, combien de temps on a passé, parce que c'est des travails, c'est sur plusieurs mois. Donc, du coup, c'est difficile de quantifier comme ça, Ouais, mais non, après, c'est c'était. Enfin, plusieurs tu vois, mois. Ces mais projets-là, c'est clairement, c'est des plusieurs mois de gros boulot, quoi. projets. Parce que Goten GFX nous dit, mais vous êtes des monstres, mais quoi? Corinne nous dit, Non, je kiffe non. totalement. Ça, c'est C'est pas clair. méchant quand ils disent que vous êtes des monstres. Non, mais Ah merci, non, merci. mais enfin, Non, globalement, après, c'est aussi pour non, ça. Je sais que si j'avais pu faire un appel masqué, ça aurait été plus simple pour tout le monde, mais sur l'heure du midi, surtout. Mais du coup, là, par exemple, tu vois, voilà, donc on avait ce volet. Alors, c'est vrai que sur ce projet-là, voilà, je vais pas te remonter, hein, mais voilà, l'identité, les persos, là, on arrive au décor. Là, c'est plus Solène, donc, du coup, qui s'est occupée de cette partie-là. Bon, après, Non, mais du coup, on va aller chercher, par exemple, les décors. Les décors, en fait, pour faire simple, c'est que. c'est pareil, les décors, ils sont en deux versions, en fait, parce que les décors, ils évoluent avec l'histoire, Ouais. ce qui fait qu'on a une version avant, une version après, De voilà, après chacun avoir vécu de chacun Cross, des après, suites. voilà. Ah, Donc, nice. donc là, on a des îles, tout un chapelet d'îles, on va dire, et voilà, on arrive sur ces îles au départ, et elles sont recouvertes de mousse, et plus on résout les picross, plus voilà, on arrive à enlever la mousse sur les îles, et on découvre ce qu'il y a en dessous, on va dire. Voilà. Et en fait, comme c'est un jeu, alors ce jeu-là est un jeu mobile, donc en Ouais. fait, enfin, vous le verrez après, on y reviendra, mais ça rentre sur un écran en hauteur. Donc là, ce qu'on Ouais. voit, là, forcément, on swap avec le doigt pour remonter. Et en fait, tu avances dans le chapitre avec, voilà, par ce biais-là, en fait. Faut pas oublier quand même une chose importante, c'est que là, entre cet aspect-là, le jeu, à un moment donné, c'est plus, on est là-dedans, en fait, quand même. Hein. Ça, c'est l'interface du jeu de Picross. Voilà. Ouais. Là, Je sais et pas si là, on la c'est pareil. voit. Ça, c'est l'interface, on l'a bossé aussi. Il fallait que ça soit en adéquation avec le jeu. Mais donc, du coup, là, par exemple, ce qu'on peut supposer, si je montre ça aux gens, c'est que là, on a, par exemple, en bas, quatre slots de couleurs. Donc, a priori, on est sur un petit cross avec quatre couleurs. Et donc, en fait, bon, là, on n'a pas tous les chiffres dans les colonnes et puis les lignes. Mais normalement, en fait, tu vois, des chiffres, on va pas expliquer les règles ici, hein, mais en gros, le but du jeu, c'est de remplir ce. Une case rose, deux cases bleues, enfin Voilà. voilà, il faut remplir. Mais du coup, malgré tout ce jeu passe quand même malgré tout par un univers. Donc c'était vraiment la demande de toute façon du client. Et donc fallait quand même créer ces univers-là voilà, pour avancer dans l'histoire. Ouais, Voilà. c'est complètement fou et c'est très très bien. Merci beaucoup. Alors Stéphane nous dit que tu en parlais de vous êtes des monstres, ça lui a coupé l'appétit. Bah écoute, espérons que ça revienne vite.
Faut regarder en replay alors. Je pense. Et j'ai une question de Yves. J'ai partagé moi le lien du projet Beyond Picolors Griddler, mais est-ce que ça se trouve déjà sur les stores ou pas encore? Alors pas encore. Le jeu est encore en développement en fait. D'accord. Ouais. Ouais. Donc là on a toute le volet interface aussi qu'on a présenté là sur le Beyond. Donc effectivement quand tu rentres dans les histoires, tu vois, tu vas avoir une petite bulle avec le personnage qui évoque le problème. Enfin bon. Voilà, tu vas te retrouver avec les menus. Les menus aussi, d'ailleurs, dans le jeu, qu'on voit par exemple ici, tu vois. Là, l'idée, c'était aussi, par exemple, si tu vas de gauche à droite, voilà, tu as le menu objectif, la boutique, bon, parce que du coup, tu as des achats in-app, le menu story, donc là, c'est vraiment, tu avances dans l'histoire, le mode libre, avec le petit cochon qui vole, là, et le tout dernier, le codex chromatique. Donc là, c'est la partie, c'est entre guillemets, l'arbre de compétences, bon, avec des, pas... tu vois, des petites... des petites composantes entre guillemets RPG. Hein. Entre guillemets RPG seulement, juste entre guillemets. Ouais, non, mais voilà, des compétences, pas du RPG, ça n'a aucun sens ce que je veux dire. Ouais. Mais du coup, tu vois, tous ces décors, l'idée, c'était, c'est pareil, tu vois, c'était de les animer. Donc là, on a tout envoyé, en fait, à la personne avec qui on a travaillé en animation. Pour c'est Cédric Berthier, justement, animer. Ouais, enfin là, on a fait les décors et effectivement, lui a animé. Alors, encore une fois, je suis désolé, j'ai pas les animes là sous la main. Donc, bon, on vous présente là juste les décors. Mais là, par exemple, la boutique, voilà, on voulait se retrouver comme vraiment un kiosque d'un marchand qui vendrait ça à la sauvette, avec derrière le petit distributeur éclairé. Enfin voilà. Donc là, on le retrouve en fait ici. Et après, on scrolle pour voir. Voilà, c'est ça. Donc, pour la partie jeu vidéo, on va dire. Ouais. Et après, l'autre corde, on va dire, c'est qu'on travaille beaucoup sur de l'identité. Okay. Donc, l'identité est très variée. Bon, alors, beaucoup, vous allez voir beaucoup jeux vidéo, effectivement, mais aussi beaucoup pour entreprises, pour toutes sortes de secteurs. Hein. C'est très, très varié. Mais on en fait pas mal. C'est un truc qu'on aime bien aussi, ouais. Travailler la typo, travailler la typo. Alors, tout à l'heure, on va voir ça. On a évacué le travail vraiment de la création de typo. Là. Enfin, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Oui, attends, on avance. Pardon. on peut faire 6 heures dessus. Le Muppet Show, quoi. On peut avoir des marionnettes, le Muppet Show, quoi. Donc en termes d'identité, voilà, c'est assez varié. On a de l'institutionnel. Là, c'est pour un jeu donc blanc. Donc là, sur lequel, on a travaillé d'abord sur l'identité. Normalement, là, on raccroche les wagons sur la partie interface. Donc à voir après sur l'avancée. Là, c'était pour un festival. Enfin, on a. Bon, là, c'est vraiment en vrac, hein. C'est vraiment... Ouais, là, il y a un peu de tout. On a mis une planche de logo sur Beyond aussi pour voir un petit peu toutes les sortes de logos qu'on peut faire. Voilà. Donc, du coup, c'est assez varié. Il y a du sport, il y a des sociétés... Studio de jeux, Bluework, studio de jeux, application... Là, c'est application vétérinaire. Donc là, c'est un autre jeu. Jeu vidéo Samurai Riot... de Waco Factory. Là, c'est le studio Cruzy. Donc, Cruzy, en fait, on a fait le logo aussi du studio, en fait, pour Picolors. C'est le jeu avec... C'est le studio qui crée le jeu Picolors. Il s'appelle Cruzy. Voilà. Et puis, on arrive donc... alors ça, c'est douteux, mais c'était rigolo. OK. Ouais, je pense que tout le monde a compris. C'est varié, hein. Bon, il n'y a pas de problème à dire que c'était une plateforme des jeux de libre échange entre partenaires. Voilà. Donc voilà. Bon, il y avait aucune. Bon, moi, je trouvais ça marrant. C'était plutôt. Et voilà. Donc là, ce qui nous amène à sur. On se dit que ça serait peut-être intéressant de décortiquer un projet comme celui-là, donc le Ways of the Atlantid. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions ou quelque chose, ou si tu veux qu'on y passe. Écoute, je regarde les dernières questions du chat, histoire de pas rater la question hyper importante. N'hésite pas à le dire. Ouais. Et notre audience va se vexer, mais alors, Héloïse nous fait un parallèle avec un autre jeu de plateau, le jeu Celestia, mais je connais pas du tout. Ouais. Non, après les gens discutent tranquillement entre eux, bon duo et sacré boulot, donc tu peux y aller. Okay.
Donc, bah là, l'idée, c'était donc de Montrer le ouais, process voilà, du le process. logo de ce jeu. Ouais, Bob's Atlantide, c'est pour définir le jeu. Bah ouais, en fait, de toute façon, il n'y a rien de plus simple pour avoir un brief sur de l'identité comme ça sur un jeu, c'est que déjà, il faut comprendre le jeu, de quoi on parle et ce qui s'y fait et ce qui s'y passe, quoi. Donc, là, c'est un jeu donc de type Battle Royale, mais au lieu d'être en vue FPS, enfin, tu vois, un jeu de shoot, t'es plutôt dans un jeu de 4X. Donc, tu vois bien les civilisations ou ce genre de jeu. Alors, format assez court, c'est-à-dire que, en fait, donc les Donc 4X, c'est des hein, mini pour ceux qui battles quoi. savent, bah, c'est explore, expand, exploit et exterminate. Genre, enfin bref, des jeux vidéo, quoi. Normal. Et donc, du coup, le jeu, c'est qu'en fait, tu te retrouves avec plusieurs équipes. Enfin, il me semble, alors j'ai plus le nombre d'équipes en tête, mais chacun a son petit camp, en fait. En gros, il doit développer ses ressources, utiliser ses ressources, créer, enfin, une armée ou un groupe qui va pouvoir envahir l'autre camp. Et On est sauf sur une que, île. voilà, on est sur une On île. Et se la passe sur une île. particularité, c'est qu'en même temps que tu joues et que le temps défile, des morceaux de l'île s'effondrent. Voilà. Donc, en Donc, tu as gros, un temps imparti pour pouvoir gagner voilà, ton territoire voilà, t'es pas là pour acheter du terrain, quoi. avant de. En gros, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même déplacer tes troupes. Et voilà. Bon, là, c'est pour le principe. Donc ça, en gros, globalement, avec ça, t'as un peu ton brief, quoi, si tu veux. T'as ça, plus le fait que ça s'appelle Waves of the Atlantic. Je crois qu'à un moment donné, c'est assez évocateur. Oui. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de faire des recherches bah là, sur Pinterest, hein, tout simplement, bah, pour commencer à nourrir un peu voilà, L'univers. l'univers, que ça soit avec des fonds marins, des cucurbitacées de sous-marins. On se retrouve avec pas mal de choses. Là, on a ici aussi, ça c'est une requête du client. On avait, ça c'est un logo d'un jeu qui s'appelle Dota. Bon, voilà, c'est le genre de choses qui pouvait lui plaire. Et l'idée, c'était voilà, de s'inspirer un peu de tout ça, d'aller chercher un peu des références autour de l'Atlantide et de cette époque, du mysticisme aussi qu'il peut y avoir autour, de la mythologie en tout cas, surtout. Il y a des choses qui nous ont tout de suite intéressés et qu'on avait tout de suite vu. Bon, travail typo, un peu époque phénicienne, tu vois, on aimait Les bien symboles. ces travails de typo. Comme celle-là, on était aussi recherché. J'avais vu en fait que tu avais à l'époque des Atlantes, ils avaient une fonte en fait qui existait, qui écrit, enfin des glyphes quoi. Donc on ne savait pas ce qu'on allait en faire, mais je me suis dit que ça serait intéressant de peut-être pourquoi pas le retrouver dans le logo. Y avait une chose aussi, c'est qu'on voulait que on ait une approche en fait. Là, tu vois, bon. On retrouve des logos, on a un truc un peu épique, tu vois, qui se passe, tu vois, un peu de bataille, et en même temps, bon, voilà, ça restait, ouais, tout en se disant que, voilà, il y a aussi d'autres références. On savait qu'il y Que aurait tu des arrives logos. à retrouver, que tu arrives Voilà. que toi tu vas réutiliser sur autour desquels tu vas tourner de toute façon. C'est ça, C'est la exactement. différence avec des logos pour des jeux vidéo, c'est un peu quand même différent du logo pour une entreprise par exemple. Ah C'est que oui, là on va clairement. être vraiment beaucoup plus illustratif, on peut être aussi un peu avoir du réalisme, enfin c'est beaucoup plus ludique que le travail d'un logo forcément Ouais, donc on corporel va quoi. aller sur Illustrator. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai évacué tout de suite hein, la question de on va faire la recherche typo, création de typo. Pas vraiment en fait. Pas C'est pas de dire en vous allez. direct, si sinon c'est 8 heures. Non, ça va être trop long. Ouais. Et puis c'est surtout que bon, encore une fois, toujours lié au principe de un logo, il doit être là aussi pour au premier coup d'œil. Bon, première chose, c'est la lisibilité, mais après, pour du logo de jeu, étant donné que tu essayes de transporter aussi dans un univers, l'idée c'est que, un, oui, lisible, On deux, comprenne tout de suite. bon, on comprend de quoi on parle. Donc, sur un projet comme celui-là, par contre, là où, par exemple, des fois, on travaille de la typo, là, sur un projet comme celui-là, tu n'es pas là pour réinventer complètement la roue. Il y a des choses qui, voilà, on a utilisé des fontes qui nous plaisaient bien et qui collaient bien à l'univers, en sachant que, bon, il y a juste peut-être, tu vois, cette typo-là, je vais vous montrer ça sur Illustrator, que j'ai quand même construite, en fait, les empattements. Je suis vraiment parti d'une typo assez droite. Et en fait, moi, j'ai retravaillé, en fait, mince, pardon, tous mes empattements, si tu veux, mais à Ah part. d'accord, ouais, c'est que des D'accord? c'est des modules presque.
Voilà, en fait, ça, c'est pas parce que je ne savais pas à ce moment-là, je ne savais pas encore exactement où j'allais. Je savais à peu près ce que je voulais, mais il y a quand même, je me voulais me laisser la liberté en fait de pouvoir revenir en arrière, faire des choses et tout. Globalement, le Waves, je savais qu'on serait grosso merdo sur ce typo-là. Le Hovde, pareil. Le Atlantide, je voulais le rendre un peu plus élégant et un peu plus élancé. Ce qui fait que très vite, et pour coller avec le Waves, bon, tu vois, j'ai retiré les transversales, tu vois, pour les A, pour récupérer cette forme de lettre. Et puis, il y avait une autre chose aussi, c'est que je voulais pas une symétrie, mais je sais pas comment expliquer, quelque Que chose ça se de... répande de chaque côté. Ouais, alors, du coup, je vais faire ça là. Mais, alors, tech, mais en On gros, va l'avoir l'idée... la typo en direct. Ouais, je vais peut-être pas... Mais Ouais, et en si, mais plus... si, mais si, mais si, 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 si. Ah, puis Illustrator, je sais que... Là, on est sur le 3 jours Photoshop, on va pas Ouais, abuser. je sais, on va c'est pas pas grave, agacer les je veux dire, ça gens. fait partie du taf. Sondage dans le public, s'il y a un peu Non, d'Illustrator, vous faites pas la tête. Dans 30 secondes, on saura. Dans 30 secondes, ils auront le droit en de nous 30 dire. secondes... Vite, on n'a que 30 secondes. T'as 30 secondes pour en profiter. Non, mais Si de toute jamais ils nous façon, cassent, à 30 secondes, c'est fini. Hein, c'est ça. Non, De mais toute façon, un l'idée... logo, Ouais, c'est l'idée... forcément construit sur Illustrator. Enfin, on est d'accord, je pense. Je pense que tout le monde sera d'accord Ouais. là-dessus. On va pas faire Non, un mais logo full. l'idée, je vais pas le faire des deux côtés, mais tu vois, je voulais vraiment quelque chose. De toute façon, j'ai préparé le fichier, on va vite passer à la suite, mais c'était de pouvoir dire que tout simplement, c'est toujours difficile de parler en même temps, mais là, hop, je vais découper ma forme. En plus, c'est bête parce que là, je suis en train de vous montrer, genre, comme si c'était évident, mais en fait, forcément, tu passes par des phases de recherche, hein, donc Ah oui, c'est. non, mais forcément. Voilà. Mais l'idée, c'est que je voulais vraiment retrouver un empattement un peu plus élancé. Ici, en fait, avec l'outil, tu vois, réarrondir, tu vois. Si, d'ailleurs, il semble bien même que j'avais fait quelque chose d'assez précis, genre 6. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était de l'avoir des deux côtés. Je vais l'avoir ici. Voilà. De retrouver quelque chose d'un peu plus élancé. Alors, sans dire de faire référence à une Raymanta ou quoi. Je sais pas, quelque chose de plus lié un peu à la mythologie ou ce genre de choses, enfin qui est quelque chose d'un peu plus élancé en tout cas. D'accord. Très vite. Donc là, ça me permet d'avoir un peu mon form factor. Je savais aussi que sur le logo, on voulait quelque chose qui soit un cartouche, qui soit comme Qui a un un... support derrière Voilà. la typo. Effectivement. Donc très vite aussi, on est passé sur la séquence suivante où je me suis retrouvé à réépaissir surtout le Atlantide, Atlantique. où on verra pourquoi après, mais j'avais une idée de volume. Je voulais travailler un volume en fait sur l'extérieur, un biseau en fait. Et puis aussi sur le, si tu veux, sur ces parties-là. Donc on va dire que tu as vraiment des morceaux, à savoir aussi que tout ça, après, je le réimporte dans. C'est pour ça qu'on va vite passer à Photoshop, mais je le réimporte dans Photoshop, mais je viens en surépaisseur avec les calques parce que ça me permet de pouvoir moduler comme je veux, en fait, et revenir en arrière, remodifier si jamais ça ne va pas. Voilà. Mais par exemple, pour cette surface là, qu'on retrouve en fait sur la typo, je savais aussi que je voulais quelque chose en écaille, tu vois, travailler un pattern en écaille, d'ailleurs que j'ai commencé à bosser ici. Donc après, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment après un motif que j'ai répété. Et puis en gros, après, hop, que tu vas déplacer, et ainsi de suite. Mais en gros, ce motif-là, je reviendrai dessus après, mais il m'a permis de créer un motif dans Photoshop. Ouais, directement pouvoir réutiliser et intégrer quoi. Ben, ouais, C'est c'est ça. Et alors, il paraît petit, mais c'est aussi que ce qu'on voulait, c'est que, bah, tu vois, j'exagère, mais... Fallait que ça soit cohérent. Enfin, ça rend que je travaille beaucoup plus grand, en fait. Enfin, par rapport à la typo. pour la taille, En bien sachant que sûr. là, je suis en vectoriel, ça va être idiot ce que je vais dire, mais pas vraiment. C'est que là, je travaille à taille. C'est-à-dire que ça va être du vectoriel, tu peux l'agrandir comme tu veux, mais j'avais à peu près mon idée de format de fichier sur Photoshop. Ce qui fait que là, je travaille à taille par rapport à mon Photoshop. C'est pour ça que d'ailleurs, après, quand je réimporte tout dans Photoshop, là, je peux arriver et importer directement. Je sais que je suis au cordeau, en fait. Une fois cette étape faite, alors là j'ai toute la décompo, hein. Donc vraiment, je travaille des contours internes, des contours externes, enfin bon bref, j'ai fait plusieurs layers. Ici l'idée c'était de vraiment de bosser un peu un élan, donc
de dynamiser un peu le, tu vois, encore une fois, tu vois, ce cartouche avec vraiment le Atlantide qui soit vraiment qui vienne supporter en fait tout l'ensemble du cartouche et qui vienne vraiment en face, tu vois, du joueur ou de la personne qui va tomber dessus. Donc là, je l'ai décomposé. Et ça c'est et... ouais, c'est plein d'expérimentation ouais. De toute façon tout le temps. Effectivement, là en fait, tout bêtement, pour être plus factuel, c'est que par exemple, typiquement ici, je vais faire des essais, je vais prendre. Et en fait, tu vois, par exemple, cette phase où je le courbe, ma typo, ça m'a obligé en amont d'avoir fait toutes mes découpes et tout, puisque comme je vais le déformer, il faut que je déforme tous mes layers, en fait. Ce qui fait que du coup, ici, ouais, je vais aller d'avoir précomposé ton truc. Voilà. Je vais aller dans déformation, arche. Voilà. Alors là, c'est violent. Mais tu peux avoir un 20 et puis une petite inclinaison vers l'intérieur, tu vois. Hop, en 5. Voilà. En sachant que, du coup, en gros, je me semble que c'est d'ailleurs les paramètres que j'ai utilisés pour celle-là. Mais en gros, voilà, de dynamiser, en fait. Mais tout ça n'est vraiment que là pour être posé. Hein. Donc voilà. Ici, j'ai travaillé des volumes. Alors, tac, 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 voilà. Là, j'ai une 3D, en fait. Parce que je voulais qu'on ait une épaisseur, en fait, sur les lettres. Et pareil, ça, cette épaisseur-là va avoir un rôle dans la version Photoshop. Mm-hmm. Qu'on retrouve, d'ailleurs, sur le Obsidian aussi. Tiens, pendant qu'on est sur la manière de traiter le graphisme et autres, il y a Héloïse qui nous dit « Super présentation ». Et je vois beaucoup de similitudes graphiques entre les jeux vidéo et les jeux de plateau. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets print par rapport à des jeux ? Pour le moment, non. Il y a une personne qu'on a en tête là, et qui d'ailleurs fait partie de... d'Atlant Games, c'est avec qui on pourrait discuter, mais oui, je pense que... Bah, il en a été question, pour l'instant, ça ne s'est pas fait, mais il n'y a pas de raison, c'est vrai que c'est plutôt similaire, ouais. C'est vrai qu'on retrouve les mêmes codes graphiques, un peu très travaillés, très illustrés, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir même des jeux vidéo qui sont portés en jeu de plateau, ni par des Kickstarter, tu vois, ce genre de choses. Donc ça se fait beaucoup, en fait. Ouais, bah alors si jamais, s'il y a des gens ici qui sont intéressés par le jeu de plateau, notamment, on a reçu Christine Deschamps lors d'un Art & Talk Yamag il n'y a pas très longtemps, et elle nous a fait justement de l'illus, une superbe illustration sur un chevalier et autres, mais elle a présenté tout son travail pour les différents jeux, les préparations des éléments de plateau, et en plus, elle n'a pas présenté pendant le live, mais un de ses jeux, Dragomino, vient juste d'avoir un As d'Or. C'était cool. Ouais, mais j'irai voir du coup, et c'est disponible en replay. Ouais, c'est disponible. Je vous mets le lien du Art & Talk avec Christine, ça devrait vous plaire. Avec plaisir. Pour vous et pour le public. Du coup, là, pour revenir, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, je vous en supplie. Il n'y a personne qui est lassé. Je quitte Illustrator. Ça fait une respiration dans la semaine, tu vois. Voilà. Donc voilà, en gros, mais non, mais en fait, pour être simple, c'est que moi, je ne travaille aucune. Identité, aucun logo directement dans... si tu veux faire du croquis, si tu veux poser des... Mais pour moi, il te faut un bac, et d'ailleurs même des fois, de toute façon, il te le faut ton logo en vectoriel. Oui. Il n'y a rien de pire que de travailler pour un client qui dit « Attendez, je vous le passe en PDF » et que tu te rends compte qu'il est en JPEG et en... Tu vois, enfin bon, bref. Ah oui, non, mais ça, c'est pas permis. Voilà. Et ça arrive encore. Et donc, du coup, c'est pour ça. Là, c'est vraiment... On pose toutes les bases de ce qu'on voudra pour après. Donc... Là, l'idée, c'est que, voilà, c'est pareil, tu vois, le cercle, on commence à travailler sur le fait vraiment, parce que tout ça, c'est pareil, on avance genre comme là en étape, mais on en discute et hop, on avance et sur, là, on savait qu'on voulait qu'on ait une rose des vents, en fait, sur, tu vois, comme une boussole un peu derrière, et l'air de rien, ça compte puisque comme le jeu, t'es sur une île, tu vois, voilà, faut que tu retrouves ton, voilà. L'idée, c'est de rester cohérent par rapport à ce que tu veux faire. On va dire que là, c'est ma version finale, Illustrator, d'accord ? Donc là, du coup, j'ai tout en vectoriel, on retrouve tout le tracé. Et là, maintenant, on va passer sur Photoshop. Et alors, t'inquiète, il n'y a pas... Voilà, ça fait partie du process. On est là, malgré tout, pour se dire que les artistes passent de l'un à l'autre. Tu nous avais... Enfin, on était déjà pas mal tout à l'heure avec les Manitou, donc... Ouais. Tout va bien, il n'y a pas... Il n'y a pas un quota de Photoshop à donner. Dans le chat, on m'a dit ça plutôt dans le sens où on a eu du Lightroom classique, mais comme Lightroom, c'est Photoshop Lightroom, tout va bien. Pareil. Ouais. Non, mais je dis ça plutôt dans le sens où généralement, je sais qu'Illustrator, même dans notre entourage, il y a plein de gens qui
c'est compliqué. Ils préfèrent vite. C'est vrai que Photoshop est plus satisfaisant donc, dans les effets, dans ce genre de choses. Et donc, voilà. Donc là, on arrive dans le Photoshop, le fichier, et dans lequel je réimporte tout. Donc là, je vais vous montrer. Hein, on a vraiment c'est la découpe. Voilà. On retrouve toutes les découpes. Là, j'ai importé tout d'un bloc, hein, le of the Atlantide, à savoir que normalement, en vrai, je l'importe lettre par lettre, parce que des fois, tu dois pouvoir revenir sur une seule lettre, ce genre de choses. Bon, c'est souvent quand même plus pratique. Donc là, le Waves, hein, sur lequel bah, on a commencé à ramener une couleur, enfin en dégradé, pour commencer à réintégrer un peu, réamener cette idée que bon, bah, tout ne va pas être en gris. Et la rosace, voilà, avec un background. L'idée, c'est que cette rosace, bon, pareil, sur la couleur. Et ici, là, je vais vous montrer tout de suite un premier truc, c'est que on a commencé à travailler en fait en biseau. Alors ça, c'est la petite astuce sur ce logo, c'est que en fait, on aurait pu travailler les biseaux. Alors voilà, par exemple là sur le Atlantide, je vais le faire sur le Atlantide. Ce sera assez clair. Choisis C'est le meilleur que, en élément. fait, j'ai travaillé vraiment sur l'extérieur donc de l'Atlantide. Donc, comme on a des layers au-dessus, forcément, ça camoufle, tu vois, tout le travail de biseau. En sachant que, en plus de ça, on est très dégrossi. Ce que je voulais, en fait, on était vraiment dans un truc, on voulait que ça soit très ciselé, Comme de très. la pierre, de la roche, Bah quoi, qu'on là, même retrouve dans du le. le plus du Ouais, cuivre, ah le oui, métal, sur là, le sur métal, là, celui-là, sur la typo. ouais. Et donc, du coup, on le retrouve ici, donc, en background, mais camouflé par les layers du dessus. Et là, l'idée, c'est que moi, j'ai joué, en fait, pour venir abîmer, en fait, le cuivre des lettres. Je suis venu, en fait, par-dessus enfin, sur ce calque avec un masque. Je suis venu, en fait, abîmer en direct tout. Tout le cuivre, en fait, tous les contours pour donner D'accord. une patine un peu, en T'es fait, allé gratter au. directement le métal. Voilà. L'idée, c'était vraiment de retrouver, d'ailleurs, de réaligner certaines choses, parce qu'on voit que mes arêtes ne sont pas alignées, certaines. Voilà. Ça me permet de réaligner certaines, réajuster certaines choses. Je peux venir, voilà. Et ça, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de faire toute la typo ici, Tu mais peux. l'idée, c'est que c'est une petite astuce fainéante, mais en vrai, qui m'a bien rendu service, parce que même si c'est, entre guillemets, un peu long, de le travailler comme ça, par après le ressenti, parce que c'est pareil, là, on le fait comme ça, mais en fait, tu reviens, tu réeffaces, faut pas être dans le systématique. L'idée, c'est de trouver un compromis, en fait. Mais malgré tout, si j'avais dû faire tout ce travail-là, je pense que mon approche aurait été beaucoup plus longue. Ce qui fait qu'au final, ça me permet en fait de travailler plus sur le ressenti de ce que je voulais, en fait. Tu vois. Deuxième chose, c'est sur le travail donc en écaille, donc ici, que j'ai ramené ici sur la typo. Ça, c'est un pattern que j'ai créé. Donc, je vais pouvoir ouvrir le fichier que j'ai ici. Élément, pattern, écaille. Voilà. Là, je l'ai re-ramené en fait d'Illustrator par morceau, par écaille, voilà, comme celle-là. Et là, l'idée, c'était de re-récupérer en fait. Donc, je vais enlever pour l'instant l'incrustation dégradée. Donc, amener une petite ombre, légère ombre portée. Par exemple, tu vois déjà dès la deuxième, si j'enlève l'incrustation. En fait, l'idée, c'est de dire que la première recouvre la deuxième et ainsi de suite. D'accord? Ce qui fait que du coup, tu te retrouves très vite, À voilà, avoir tes avec, rangées qui se mettent en place. voilà, exactement. Et après tout le jeu, ce que j'ai fait après, bon, c'est pareil, là on va passer vite hein, sur la suite, mais tout le jeu, c'est qu'au fait, au final, tu découpes le morceau qui se répète, comme celui-là, moi que j'ai transformé aussi en objet dynamique. Donc je le réouvre à côté, donc tu vois que mon pattern, en fait, bon, là il est tout petit. Mais parce qu'en fait, de toute façon, il n'avait pas besoin d'être beaucoup plus gros, puisqu'on était vraiment dans. Mais l'idée, c'est que ici, je vais pouvoir lui dire, voilà, je vais aller dans Images, et pas dans Images d'ailleurs.
Non, c'est dans édition, il me semble. Définir comme motif. Motif, c'est dans modifier, ouais, éditeur. Voilà, utiliser comme motif. Enfin, toujours pareil, hein, t'as les réflexes Du d'utiliser après si raccourci et tu veux puis de chercher quand t'as pas des gens qui te regardent. Exactement. Ce qui fait que du coup, par exemple, si je reviens là, que je tape. Ah, qu'est-ce qui m'est. D'accord. Bouge pas. Je vais diminuer tout de suite cette typo qui est affreusement grande. Voilà. C'est qu'en fait, ici, je vais pouvoir après lui appliquer, par exemple, maintenant que j'ai créé le motif, vais par exemple pouvoir lui dire, bah voilà, je vais dans motif et je peux lui appliquer, tac, 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 incrustation de motif. Et hop, je peux lui appliquer mon motif. Bon, là, ça ne donne rien, évidemment. Mais en gros, l'idée, c'est que ce motif que j'ai créé à part, voilà, m'a permis de pouvoir le récupérer en fait sur la typo, donc de Waves of the Atlantide. Donc sur le Atlantide surtout. Donc en sachant que donc sur le final, on se retrouve sur voilà, sur quelque chose de voilà, tout le travail de texture dans le métal, d'abîmer le métal, tu vois, enfin. On a le volume aussi derrière que j'aurais rapporté après derrière, avec les éclairages. On commence à avoir déjà quelque chose de plus satisfaisant, en tout cas sur cet aspect du titre. Ouais, gratter, creuser, redonner du volume sur du à plat. Exactement. Voilà, par exemple, tu vois, même sur le off Z, tu vois, on récupère voilà, tout ça. En sachant que. Attaque. L'idée, c'est qu'il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'était de travailler maintenant plutôt sur le waves. En fait, dans l'idée, pour commencer aussi à évoquer ce qu'on voulait, c'est que bah, maintenant que vous avez vu de toute façon le logo final, ça paraît assez clair. Mais ce qu'on voulait, c'est vraiment jouer sur cette idée. Alors c'est assez frontal, hein, puisque du coup sur le jeu, c'est exactement ce qui s'y passe. Mais on voulait que le waves, en fait, soit un morceau de roche. Et qui soit lisible, mais qui s'enfonce dans de l'eau au centre, qui est au centre de la rosace. Voilà, qui s'effondre un peu Voilà. au milieu. Donc là, dans l'idée, c'est que moi, j'ai commencé à travailler le waves. En fait, là, si tu vois, j'ai commencé moi à l'abîmer, puisque c'est marrant, puisque en fait, c'est un peu le même principe. Je suis reparti sur le biseau, voilà, comme celui-là, et j'ai commencé en fait à vraiment venir abîmer et cette fois-ci pas forcément en enlevant mais en rajoutant et puis à commencer à essayer d'avoir quelque chose de plus entre guillemets roche en sachant D'accord. que voilà c'est toujours avec ce travail de biseau mais je suis venu aussi derrière avec j'ai ramené aussi un peu de bleu tu vois plutôt dans l'ombre tu vois du volume et commencer surtout à ramener de la texture en fait donc là c'est vraiment de la texture en mode avec des brushes, en fait, commencer à donner un ressenti, tu vois, autour de la roche. Mais l'idée, c'est que je peux aussi continuer à abîmer, tu vois, ma roche. Tu vois, si tu regardes, là, dans mon masque, je peux commencer à venir, tu vois, par morceau, vraiment lui donner. Enfin, là, encore une fois, c'est très systématique, hein, ce que je fais. Mais c'est un temps que tu passes. Tu vois, pour vraiment lui donner tout le volume que tu souhaites obtenir, jusqu'à arriver justement à l'étape où voilà, tu te dis, bon, bah, c'est ça que je voulais, toi. Vraiment un aspect de roche. Voilà. Après, je suis revenu vraiment par-dessus avec un autre volume. Enfin, j'ai dupliqué en fait le waves au-dessus et j'ai encore effacé pour avoir encore un peu plus de granularité en fait D'accord. dans le waves. Ce qui fait que déjà, même si on a deux façons de faire qui se rapprochent, tu vois, que ce soit sur l'Atlantique, mais on n'a déjà pas le même peut-être sentiment, tu vois, sur le travail typo, tu De vois. textures différentes au final. Voilà. Donc là, c'est là où intervient Solène, du coup, qui a, elle, de son côté, donc travailler, bah, vas-y, sur. Oui, alors, Tiens, je te je vais passe la prendre la main, tablette. mais. Parce que C'est toujours un jeu à quatre mains. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas. Ouais, alors par contre, je vais pas être sur mon ordi, donc je vais peut-être bugger par moment, parce que c'est pas mes raccourcis clavier, je préviens. Je sais Donc, pas, du coup. on verra si on accepte. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait, comme on disait, c'était au centre ramener cette idée de d'île et d'océan.
Donc, on voulait recréer dans cette rosace centrale, voilà, de l'eau. Donc, on a fait des recherches photos, parce qu'on voulait aussi donner cet aspect réaliste de l'océan. On voulait vraiment que ce soit comme une tranche de l'océan. Voilà, et on est tombé sur cette photo. Ouais, alors, c'est marrant, c'est une photo en fait, qui est c'est une île qui est au large du Portugal, en fait. Et tu as vraiment cette. On a vu ça, on a fait waouh, en fait, génial. Le... Elle est pas encore. Oui, c'est bon, elle est arrivée. Ah mince. Ouais, non, c'est bon. Ça a pris du temps, mais ça y est, la voilà. Ouais, donc on est tombé, on s'est dit, mais c'est génial, ça existe en vrai, en plus, c'est pas du Photoshop et tout. Donc voilà, donc c'est sur banque d'images hein, qu'on a... sur Adobe Stock, du coup. Hein. Voilà, qu'on fait nos recherches photos, globalement. Et on s'est dit, ouais, c'est super, on va utiliser ça pour faire notre fond. Sauf que, bon, on a eu beau la prendre en plus grand format possible, quand on zoome... t'as de la perte, en fait. On va voir qu'en fait, c'est pas du tout net. Et que voilà, c'est inutilisable là en l'état sur le logo, c'était pas possible. Donc on s'est dit bon, on va quand même s'inspirer de ça, on va carrément recréer notre rond d'océan. Donc voilà. Après, du coup, on a fait des recherches photos pour trouver des bouts de roche qui s'inséreraient autour sur le rond autour tout autour. Ouais, voilà, recréer donc, les falaises, en fait. Recréer toutes les toi, t'avais une partie du relief, mais pas tout, et du coup, t'as tout refabriqué. Ah, on a tout recréé, en fait. Donc, j'ai récupéré, en fait, plein de photos de roches. Et donc, à partir de là, on va dire que... donc, je vais mettre un masque pour qu'on comprenne bien qu'on travaille dans ce cercle-là, en fait. Ouais. Donc, j'ai pris... je vais faire rapidement montrer un petit peu comment j'ai fait. Voilà, donc je prends mon pinimage, je prends mon lasso. Donc je prends le lasso, le petit lasso de base. Et en fait, je vais prendre la partie qui m'intéresse, qui est ce bord de roche avec le début de l'eau, on va dire. Bon, alors là, c'est à la serpe. Hein. Voilà, bah oui, non, mais en fait, mais... parce que là, pour l'instant, vous voyez, hop, je prends juste cette petite partie. Okay. Hop, que je viens amener dans mon image, voilà. Ensuite, je transforme cette image en objet dynamique, d'abord. Et ensuite, je viens donc la placer sur mes bords du rond. Donc là, je la réduis. Alors après, pour la déformer, là, elle est déjà pas mal. Hein. Elle suit déjà pas mal de rond, donc c'est pas mal. Mais on peut aussi quand même la déformer. Donc soit on vient déformer voilà, avec l'outil déformation voilà, pour la faire venir bien arrondie. Ouais, puis en plus, il a bien évolué l'outil déformation là dernièrement. Je sais pas si vous avez vu et si ça vous a plu. On a vu notamment avec c'était Schmax, non, qui montrait notamment de pouvoir récupérer une perspective. Ouais, la perspective, ça c'était assez ancien, mais le fait que l'outil déformation en tant que tel, maintenant tu puisses placer où tu veux ta grille, on se retrouve vachement plus comme dans l'effet enveloppe d'Illustrator. Oui, d'accord, ok, je vois. Donc c'est soit j'ai utilisé ça, soit alors on peut utiliser aussi des formations de la marionnette que j'ai pas mal utilisé sur ce... voilà. Donc des formations où on place des points, voilà, on place nos points qu'on veut bouger, voilà, j'ai placé quelques points, on va peut-être zoomer hein, d'ailleurs, parce que je me rends compte que c'est un peu petit. Donc voilà, je place des points qui vont rester ancrés de chaque côté, on va dire, et après, je peux venir voilà, déformer. Si je veux, par exemple, un petit bout de roche qui dépasse un peu plus qu'un autre, là, j'aimerais bien que ça, par exemple, ça revienne un petit peu à l'intérieur. Voilà, et je viens, hop, bien épouser le contour du rond, en fait. Voilà, c'est des techniques que je peux utiliser, voilà, par exemple. Et ensuite, là, c'est pour vous montrer un peu le process. Mais j'ai utilisé plein d'images. Du coup, je vais vous montrer tout de suite avec toutes les images. Voilà. Donc là, voilà. Là, j'ai ramené plein d'images autour. Hop, je vais ouvrir mon dossier. Bord. Donc, on voit voilà, toutes les images que j'ai pu apporter tout autour. Donc, j'ai fait aussi une petite correction sélective pour bien harmoniser les couleurs. J'ai apporté un peu de jaune dans toute la roche et puis dans l'eau aussi pour qu'on ait ce côté turquoise un petit peu qu'on voulait.
Voilà, donc ça c'est pour le tour. Et ensuite, on s'est dit que comme on voulait que au centre il y ait le mot waves qui s'enfonce vraiment dans l'océan, là c'était pas assez profond. Là on n'a pas la sensation de profondeur, donc L'océan n'était pas assez profond, et pour le coup, voilà. si c'est un C'est volcan en ça. dessous C'était un peu embêtant. ou une Donc météorite. pour ça, voilà, on a ajouté de la profondeur sur le milieu. Voilà, Voilà. le temps que ça s'affiche aussi, on a un petit C'est peu de ça, temps. chez nous aussi, donc on prend le temps, t'inquiète. Ouais, bah ouais, voilà. Donc on a rajouté des couleurs, une couleur un peu plus sombre au milieu. Donc comme ça, on a plat avec une brush, en gommant un petit peu les endroits où on voulait pas, où on n'en voulait pas. Couleur plus sombre, voilà, en occultation de couleur. Et ensuite, pour qu'on ait cet aspect un peu plus réaliste, avec des brushes hauts. Ouais, on avait une brush en fait qui nous a simplifié le travail de vaguelette sur le dessus, qui va d'ailleurs m'aider après. Ouais, là pour la montrer, je peux l'ouvrir. Elle est en objet dynamique. Voilà, c'est une broche comme C'est ça. Je vraiment sais une pas si brush, on voit bien. ouais. Alors attends, on n'y est pas encore. Ouais. Doucement, on est encore à préférer le profil, tu vois. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est la broche des ondelettes. Je sais que tout le Ouais. monde adore les pinceaux, les brosses depuis hier soir. Donc Donc c'est. voilà, ça c'est la broche qu'on a utilisée au centre, tu vois, pour amener la profondeur des vagues, un mouvement. Voilà. Et ensuite, après, on rajoute des petits détails. Comme Ouais, ceci, voilà. voilà. Ok. Vraiment de la lumière qui vient à travers le, Des petits justement. mouvements, des petites Ouais, les ondulations petits de l'eau, spéculaires voilà, qu'on a rapportées. façon fond de Voilà, piscine. exactement. Qu'on ramène ça sur le bord de l'eau pour amener un petit peu aussi de lumière et le mouvement de l'eau. Donc voilà. Et ensuite, on peut aussi, là, tu vois, on peut aussi rajouter des petites vaguelettes sur la roche. Je sais pas si. On a bien vu, c'est avec des broches aussi, on vient peindre en blanc, ramener un peu Ouais, le travailler les vent, crêtes des vagues, quoi. le mouvement de l'eau sur la roche, pour apporter un D'accord, peu plus ouais. de réalisme. Donc voilà, au final, on arrive à peu près à ceci qui va venir s'insérer au centre de la rosace. Donc là, du coup, je vais Ça, c'est reprendre la main, je vais splendide. essayer de tracer, parce que je vois qu'il reste peut-être plus beaucoup de temps. Alors, ouais, t'inquiète, s'il faut, je réduirai, j'organise la transition. Ok, ça Tout va marche. bien. Donc là, sur l'idée, c'est que du coup, une fois qu'on a pu récupérer ce... Je vais réouvrir mes fichiers. Tac. Je vais aller là. C'est que l'idée, c'est de passer donc du coup à cette étape, effectivement, qui est de l'insertion en fait de la typo, donc Waves, dans l'eau. Là, on récupère. Voilà. Là, l'idée, c'est que si je retire en gros voilà, le titre. Là, on est sur cette phase où on a rejoint le travail de Solène et le mien, en fait. Et l'idée, c'était voilà, de retravailler vraiment l'insertion du mot Waves. D'accord. Là, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle dispersion. Ah, alors Alors. attention, sondage pour dans 30 secondes. Dispersion, tout le monde est au point sur dispersion, parce que moi j'adore, mais je suis comme tout le monde, je suis toujours un peu paumé dedans. Alors. Je vais faire simple et je vais essayer de le montrer. C'est que en fait, j'ai doublé mon calque Waves qui était Ouais. fini donc en roche que j'ai ici. Donc on peut voir là, j'ai fait une dispersion sur celui-là. C'est-à-dire que je vais cacher d'ailleurs ça. Je vais me cacher le masque. Je vais enlever les vagues et je vais enlever tous les effets. Voilà. Donc là, on est d'accord parce qu'en plus, je suis en densité de couleur moins pour l'intégrer dans l'eau. Mais voilà. Là, l'idée, c'est que ce que je voulais, c'est qu'on est déjà, on va dire, par étape, d'amener le mot waves, je voulais qu'il soit dans l'eau. Donc, ce que je voulais, c'est que donc déjà, c'est reprendre cet aspect de roche, de le garder, mais de lui amener cette teinte bleue, puisque la lumière vient frapper dessus. Je sais que ça va être, voilà, Ça va être sous plutôt l'eau. bleuté. Ouais. L'idée, c'est que très vite, donc avec l'outil dispersion, je vais montrer ça. En fait, pour faire simple, je vais prendre voilà, je vais prendre par exemple ce fichier-là. Voilà. Je vais le montrer ici. Et je vais le faire avec Illustrator. Et je vais le prendre à part. Pour le montrer vraiment, on va dire, en brut, quoi. Hop. Voilà. Je veux que Waves, en fait, rentre dans l'eau. Deux choses. Première chose, c'est que je vais avoir une partie émergée et une partie immergée. Donc, je vais doubler tout de suite mon calque, en fait. Donc, la partie,
la pixeliser. J'ai pas besoin de l'avoir. Donc là, au-dessus, atcha, excusez-moi, j'ai un souci avec ma tablette. Voilà, pardon. Donc là, j'ai une partie immergée, une partie, voilà. Sur cette partie qui va être sous l'eau, en fait, là, je vais pouvoir lui appliquer. Donc c'est dans les effets, okay. Les filtres. C'est dans distorsion. Et on a dispersion. Là, l'importance des vaguelettes dont on a parlé avec Solène, c'est qu'il fallait absolument que je réutilise exactement la brush des vaguelettes qui était sur la forme pour récupérer tout ce mouvement. Le même type de relief, ouais, qui est une cohérence des deux côtés. Voilà, parce que la dispersion que je vais lui appliquer va garder exactement le même mouvement. Donc là, je vais appliquer une dispersion bon, voilà, sur la partie qui va être immergée. Donc je vais lui donner une force donc, de dispersion, justement. Donc, tu peux jouer sur l'horizontalité ou la verticalité. Et en fait, une fois que je tape OK, il va me demander d'aller chercher une image en référence. Donc là, en l'occurrence, je vais aller dans Mota, dispersion, et je vais chercher cette même texture d'eau, et là, je vais lui appliquer. Il va aller chercher ce fichier PSD. Donc là, je fais volontairement nuance de gris pour qu'on comprenne. Là, je lui applique. Et là, déjà, on voit que en gros, si je diminue l'opacité, on sent que déjà, presque, on peut dire, ah, c'est sous l'eau. Enfin, on a vraiment cet effet qui pourrait donner le sentiment que c'est sous l'eau. Si on regarde d'un peu plus près, bon, en plus, la brush n'est pas très impeccable, mais on peut jouer aussi sur rajouter un flou, en fait, ici, sur cette dispersion, pour lui dire, bon, c'est bien cette dispersion, mais je voudrais qu'on ait quand même un sentiment que ça soit sous l'eau. Et donc, du coup, on se retrouve avec quelque chose de plus doux. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai ça, déjà, je peux revenir sur le premier, la partie immergée. Mm-hmm. Partie immergée. Et ici, dire bah, avec deux masques, simplement, je fais vraiment la serpe. Mais en gros, l'idée, c'est que je dis, bah, voilà, ça, tu me le caches, parce que ça, c'est au-dessus de l'eau. Et à l'inverse, là, tu me l'inverses, et ça, c'est sous l'eau. Et là, déjà, on se retrouve avec quelque chose déjà de plus crédible. Voilà. Donc là, je simplifie beaucoup, mais c'était pour montrer le fonctionnement. Mais en gros, ici, c'est exactement ce que j'ai voulu travailler. C'est qu'on voulait, en fait, j'ai travaillé d'abord la partie immergée, et ensuite, la partie qui était... donc j'ai mes deux masques, voilà. Et en gros, j'ai travaillé l'intégration du Waves dans l'eau. Donc après, comme précédemment, on a un travail de vague sur l'arrière, de vague à l'avant, pour comme la mer qui viendrait buter contre une falaise. Comme ce qu'on a fait sur la roche autour, on va ramener les mêmes effets sur la typo. Voilà. Ouais. Là, on rentre dans la dernière phase, qui est... plutôt le travail de la rosace et des runes. Ça, de toute façon, ça va être plus rapide. Tac, tu me dis quand tu vois. Hein, t'inquiète, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Je te dis, je suis en train de m'assurer qu'on ait des playlists suffisantes. Ok. Tout va bien. Là, du coup, tu vois, je suis revenu. Donc là, je travaille. Maintenant qu'on a fini le Waves et le Of the Atlantide, là, l'idée, c'est qu'on commence à revenir sur la rosace. Parce que l'idée ici, c'est comme je le disais tout à l'heure avec cette typo, c'est que bah, finalement, ça m'a bien aidé en fait, cet alphabet en fait, des Atlantes. Et comme on jouait sur une rose des vents, et, l'idée, c'était de retrouver les points cardinaux, quoi, nord, sud, est, ouest, mais en mode rune, tu vois, plutôt lié à l'aspect mythologique. Donc là, l'idée, c'était de venir les rendre plus lumineux. Donc là, on va voir. Hein, je vais. Si, voilà. S'il veut bien. Voilà. Mais oui, bien sûr qu'il veut. Il s'attense. Donc après, travailler un effet de vitesse, tu vois, aussi pour donner les rayons de lumière, tu vois, qui s'extirpent un peu de ces runes. Donc là, qu'on retrouve. On a aussi ce cercle de progression, un peu comme si tu avais une lumière qui progressait à l'intérieur. Voilà. Un filet de lumière qui tourne, on va dire. Voilà. Et là, en gros, on va arriver sur la fin. Une des dernières étapes, oui. Et là, l'idée, c'est que, je vais arriver tout de suite sur le fichier final, et ça sera plus simple, c'est que, à la toute fin, voilà.
L'idée, c'était de retravailler aussi tous les impacts de lumière, en fait, si tu veux, Tous les endroits où la de lumière va taper voilà, sur, va se exactement. refléter à différents Voilà. points. Sur le Atlantide ici, tu vois, de venir retravailler enfin, Le vraiment bleu tout le bleu lumineux. qu'on va retrouver un petit peu partout, surtout le cuivre, sur, voilà, sur tout le bord, les biseaux. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc en gros, pour faire le Cuivre. tour, c'est assez complet. C'est vrai que c'est un peu long, mais bon, j'espère Mais je que. pense, bah écoute, ça a plu parce que tu vois, regarde. Bon, alors d'abord, les réponses sur l'effet dispersion ont été éloquentes entre ceux qui l'ont déjà utilisé, ceux qui ont déjà cherché à l'utiliser mais sont jamais arrivés au bout, et ceux qui, comme moi, comme Greg, qui nous disent à chaque usage, je dois rechercher à nouveau. Je pense que ça a permis de désacraliser un truc sur l'effet de distorsion. Ouais. Dispersion, pardon. Et Yann Rewin nous dit, tu t'y connais bien en impact. Voilà, ça Bien c'est dit. douche. En tout cas, ça plaît à tout le monde. Bravo, en tout cas, Ok. bravo à Eh tous les deux. Ça, c'est ben, chouette. c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Mmh, Merci beaucoup. mmh. Tiens, Non, mais ouais. comme d'habitude, je réclame un FF hein, pour qu'on voit tout l'écran et pas de menu de Photoshop, même si on sait que c'est du Ok. Photoshop. T'as raison. Yeah. Voilà. Voilà, on est pas mal là. On est pas mal. On a un peu l'impression Ça d'être un peu sur la vignette du projet. va. Non, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, parce que Ouais. ça a été Merci à toi. Merci, vraiment hein. Merci. un très beau Merci à partage. toi. Alors, d'une, tu vas rester, Johan, tu vas rester avec moi après pour la deuxième partie, parce que je t'ai gardé un peu en MC pour la suite. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit oui, quand je prépare mes éléments de terre, etc., je fais des petits chapelets de grilles et tout ça. Et justement, vu que tu t'y connais en chapelet, je te propose de faire l'introduction pour tout à l'heure de Brice, Mr. Xerti. Tu Eh vas. ben oui, Ouais. du coup, C'était une blague un peu. Elle était un peu dure à Brice placer. Chapelet, bien joué, ouais. Ouais. Je suis hyper fier de moi. Et je me la suis notée au cas où. C'était genre, ne pas oublier une bonne blague. Je fais mon Et stand-up moi, tu te avec rends vous. pas compte, Bien là, joué, bien j'ai mis joué. des post-it tout autour là, de l'écran depuis tout à l'heure. On croit que les blagues sont naturelles, mais mauvaises même d'ailleurs. Mais en fait, elles sont notées, évidemment. Donc ouais, non, bah, Brice, voilà, on se connaît pas personnellement, mais c'est un artiste qu'on suit avec Solène depuis longtemps, puisqu'on a pas mal produit aussi comme lui, en fait, sur une plateforme qui s'appelait Amcashop. Ah, bah écoute. Voilà, donc salut à Thomas d'ailleurs, qui était Thomas de le créateur Amcashop qui est de là, Ragaillé. ouais. Ok. Voilà. Et donc du coup, Xerti, en fait, on se croisait régulièrement sur des créas sur la plateforme à l'époque. Et en fait, oui, bah, son travail est super. Ouais, c'est clair. Effectivement, beaucoup de photos, Super compositions, travail de photos photo. bâches, parce qu'a Ouais, c'est ça, priori, c'est bâche sont... maintenant, le Voilà, terme, c'est mais ça. je voudrais pas que les gens soient vexés, mais on s'en reparle Voilà. tout à l'heure. Je nous ai remis le petit planning de la journée. Donc OK. merci à vous deux d'être Merci à toi, merci au chat merci à tout le d'intervenir monde. aussi, ouais. Et puis donc moi je vais vous mettre la petite plage d'intermède qui sont tous des projets créa que vous allez voir. Donc là il y aura Datététégan, il y aura Julien Tabé sur du photomontage, il y aura Richard Maillot qui sera avec nous. Normalement vous allez encore en avoir plein les yeux. Ne partez pas. De toute façon on se retrouve avec Brice Chapelet dans quelques minutes. Merci à tous les deux. Merci, merci. Ben on est parti. Je tente. Non, j'ai vérifié un truc. J'ai vérifié que ma liste va bien se lancer dans le bon ordre. Oui, ma liste devrait bien se lancer dans le bon ordre et j'ai mis les bons timings sur les images. Alors, à tout à l'heure. À toutes.
Dans un nouveau document Photoshop, j'ai déjà préparé mon fond, qui est une texture avec un effet de craquelure que je vais agrandir sur la totalité de la surface du document. Ensuite, je vais dupliquer ce fond pour couvrir le reste de l'espace manquant, puis aller dans le menu Filtre, Divers, Translation. Je vais déplacer les pixels du fond horizontalement et verticalement pour permettre un raccord sur la hauteur et sur les côtés, puis ensuite je vais dans le menu Affichage, Aperçu du motif, de manière à visualiser la répétition du fond sur toute la surface de l'espace de travail. En zoomant et en me déplaçant sur le fond, je vais vérifier que les effets de craquelure se répètent bien d'une manière homogène et qu'il n'y a pas de rupture au niveau des motifs qui se répètent. Dans la partie supérieure du document, je vais également zoomer et je constate effectivement que certaines parties du motif sont manquantes. Je vais donc simplement prendre l'outil pinceau, puis sélectionner un fond de la couleur bleu marine des effets de craquelure et je vais peindre sur les parties manquantes. L'idée est de compléter les parties du motif coupées par l'effet de translation de manière à obtenir un raccord continu du motif en hauteur et en largeur. En peignant, je vais essayer de conserver le côté aléatoire et dispersé de ces formes qui matérialisent les craquelures du fond. Parfois, je vais être également amené à changer de couleur pour pouvoir essayer de gérer la continuité du motif dans certaines zones. Et je continue ainsi tout au long du document de manière à obtenir au final un motif qui se répète parfaitement. Le fond est désormais terminé. Je vais maintenant aller dans la bibliothèque cloud dans laquelle j'ai préparé quelques motifs que je vais ajouter dans ma composition. Je commence par sélectionner le premier motif, puis je vais le faire glisser dans la composition. Ce motif est inspiré des symboles Adinkra du Ghana que j'ai utilisé pour construire cet imprimé de type wax. Je positionne le premier motif, puis ensuite je vais venir sélectionner le deuxième motif à partir de la bibliothèque cloud et je le fais glisser dans la composition. Je le repositionne en l'emboîtant avec la partie droite du motif principal. Une fois qu'il est bien positionné, je vais aller chercher le troisième motif à partir de la bibliothèque cloud que je vais faire glisser également dans la composition. Ce motif, je vais le positionner à l'extrémité de la zone de répétition, puis le caler par rapport à la partie gauche du motif. Ensuite, je vais dupliquer de nouveau le deuxième motif, puis effectuer une rotation avec ce dernier, de manière à le positionner sur la partie inférieure du motif principal. En dézoomant, je vérifie la composition grâce à l'aperçu de motif, puis je viens rezoomer à l'intérieur pour continuer mon travail de composition. Je duplique à nouveau le motif principal une première fois, puis une deuxième fois, de manière à combler les espaces vides. Je repositionne le motif dupliqué et je continue mon travail de composition qui va me permettre d'enchaîner à la fois plusieurs copies de certains motifs et plusieurs positionnements géométriques de ce motif dans la composition. Je vais ensuite sélectionner un nouveau motif à partir de la bibliothèque cloud que je vais repositionner au centre. Je vais le décaler de manière à trouver la position idéal qui permet d'obtenir un équilibre dans la composition, puis ensuite je vais le dupliquer et effectuer une transformation avec une symétrie sur l'axe horizontal pour le repositionner à l'extrémité gauche du motif. Ensuite, je viens chercher un nouveau motif dans ma bibliothèque cloud que je repositionne au centre pour varier et apporter un petit peu plus de richesse graphique à la composition globale, puis je dézoome pour vérifier dans l'aperçu de motif, la manière dont le motif se répète en général. Une fois que c'est fait, je vais ensuite pouvoir finaliser ma composition en redéplaçant certaines zones du motif lorsque c'est nécessaire, de manière à obtenir au final un motif qui se répète parfaitement. Une fois que c'est fait, je vais aller dupliquer mon image pour en obtenir une copie, puis je vais dézoomer pour vérifier de nouveau la manière dont le motif se répète en général, et ensuite je vais aplatir l'image. Dans le menu affichage, je peux désactiver l'aperçu de motif pour visualiser la composition, puis je peux éventuellement afficher de nouveau l'aperçu de motif pour me remettre en mode répétition. Ensuite, je vais dans le menu édition, puis je sélectionne utiliser comme motif, je nomme mon motif, puis je clique sur le bouton OK de manière à l'enregistrer en tant que motif dans Photoshop.
Une fois que ce motif est enregistré en tant que motif, je vais créer un nouveau document dans lequel je vais venir simplement placer le motif à l'intérieur d'une forme géométrique que je dessine. Ici, il s'agit d'un rectangle. Ensuite, dans le panneau propriétés, je vais simplement basculer dans la partie motif, puis sélectionner le motif que je viens de construire pour remplir mon rectangle. Je vais pouvoir également jouer sur la mise à l'échelle de ce motif de manière à visualiser sa répétition dans le rectangle que je viens de créer et effectuer tout type de réglage que nous pouvons faire à travers les motifs dans Photoshop. Fantastic, abracadabra, I'm magic. And I'm sending out these good vibes and electric waves. Take a ride with me and we're walking on these golden rays. Ain't anything like you ever seen before, I'm everything and more. I got to show you what I'm all about. I got something I got to show you how. I got to show you what I'm all about. I got something for ya. Just watch how I do it. Let me show you what I do. What I do. Just watch how I do it. Yeah, this is how I do it. How I do it. I got to show ya. Let me show you what I do. What I do. Just watch how I do it. Yeah, this is how I do it. How I do it. Just watch me. Watch me how I do it. Just watch how I do it.
scroller, cliquer, scroller encore, cliquer, clic, 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 changer de mot de clé, cliquer. La recherche de l'image parfaite demande du temps. Si chaque jour vous passez un quart d'heure à trouver la bonne image, cela fera 3900 minutes au bout d'un an, soit 65 heures. Vous vous dites que 65 heures, c'est 31 films au cinéma et autant de pop-corn. 65 heures, c'est Paris-Bruges, à pied. 65 heures, c'est le record du monde en montgolfière. Vous continuez de scroller, cliquez, trouvez. Et là, vous êtes enfin satisfait. La création demande du temps. Heureusement, Adobe Stock vous en fait gagner pour mieux profiter de ce qui compte vraiment. Découvrez l'intégration d'Adobe Stock directement dans Adobe Creative Cloud. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter le flux que j'utilise pour Substance, Painter, Photoshop, Cinema 4D et Adobe Dimension. J'ai un visuel ici que je contrôle dans Photoshop car je peux vérifier les informations, notamment le fait que les données de l'appareil photo soient encore présentes. Et je vais ensuite dans Cinema 4D pour contrôler mon objet, vérifier que l'objet est bien construit et que notamment les UV maps sont propres. Sachez que vous pouvez récupérer beaucoup d'objets sur Internet ou même dans la bibliothèque présente dans Adobe Dimension. Donc là, le dépliage UVW map est bien fait et je vais pouvoir exporter cet objet pour travailler dans Substance Painter. Là, je suis au format 7.4 dans FBX pour que ça soit compatible. Dans Substance Painter, je vois qu'il existe déjà un template Adobe Dimension et j'importe mon fichier FBX en vérifiant la résolution de mon document à 2048 pour la résolution des matériaux. J'ai bien les deux éléments bouchon et corps qui sont présents et je vais pouvoir importer dans mon projet les textures qui ont été créées sous Photoshop au format JPEG et les intégrer à chacun des canaux de mes matériaux. Donc ici le canal de la couleur, le canal du roughness hein, qui est proche du displacement, la normal map pour le relief et enfin le roughness qui va finaliser l'aspect de mon matériau. Donc on remarque que dans Substance, les calques que l'on utilise fonctionnent exactement comme les calques Photoshop et les styles de calques qu'on a dans Photoshop sont représentés ici par des effets que l'on ajoute qui vont nous permettre d'accentuer les reliefs, les détails, créer des effets visuels et de peindre des effets directement sur l'objet en 3D. Ici, notamment, on a deux éléments spécifiques qui sont les Smart Material et Smart Mask qui vont nous permettre d'interagir en fait avec le relief de l'objet, comme ici, par exemple, l'usure du métal sur les angles. On voit que c'est très rapide, mais je souhaite malgré tout utiliser Adobe Dimension pour finaliser cette vue en 3D. Là, je décide d'importer le logo qui va sur le bidon, donc la même logique que dans Photoshop, hein. On a cet aspect couleur sur le calque, et ensuite on aura le masque qui va nous permettre de travailler en détail la partie visible du logo. Donc ça, c'est assez puissant dans Substance, et il est vrai qu'il est plus rapide de travailler directement dans Substance, et ensuite de finaliser, pourquoi pas, les textures et notre travail 3D dans Photoshop. Donc là, je finalise l'aspect de mon étiquette, voilà, je l'intègre bien en métal, et je vais pouvoir ensuite exporter l'ensemble de ces textures dans Photoshop pour ensuite les réutiliser dans Adobe Dimension. Ce qui est pratique, c'est que dans Substance Painter, on a maintenant un plugin depuis quelques versions qui nous permet de directement envoyer l'ensemble de nos textures dans Photoshop. Je choisis ici les canaux que je veux envoyer, ainsi que les différents objets, donc le bouchon ainsi que le corps, avec la couleur, le roughness, le métallique, la normal map. Et Substance Painter va compiler l'ensemble des calques pour les récupérer dans Photoshop. Alors bien sûr, tout est récupéré, mais néanmoins, quelques effets ne sont pas visibles dans Photoshop. Donc qu'est-ce que fait en fait Painter? Tout simplement, le script va aplatir l'effet sur la couleur pour qu'on puisse avoir le résultat. Mais on n'aura pas la procédure pour obtenir ce résultat. Maintenant, je suis dans Adobe Dimension et j'intègre mon image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais vérifié au préalable donc, qu'il y avait les données de l'appareil photo et le bouton adapté à l'image va être actif et je vais l'utiliser pour adapter la scène d'Adobe Dimension à mon visuel. Voilà, le visuel est adapté et je peux maintenant importer
mon objet FBX que j'ai préparé grâce à Substance Painter et grâce à Cinema 4D. Je l'intègre dans ma scène Adobe Dimension, je fais mon placement, je choisis l'orientation qui me convient, l'échelle, et je vais pouvoir maintenant travailler mes matériaux. Ce qui est intéressant, c'est que tous les matériaux qu'on a exportés vers Photoshop, eh ben je les récupère dans Adobe Dimension. C'est-à-dire que Photoshop m'a servi de pont, de transfert entre Substance Painter et Adobe Dimension. Donc ce qui est assez puissant, même si maintenant il est tout à fait possible de récupérer des matériaux substances, mais dans ces cas-là qui ont été faits au préalable. Là ici, je vais pouvoir donc importer toutes mes textures, les ajuster. Là, je décide d'ajuster aussi les lumières afin qu'elles correspondent à mon visuel. Donc on remarque bien que, par exemple, l'environnement a été fabriqué grâce à l'image qui est en mode sphérique et qui a été répété afin de s'adapter. Donc voilà, j'ajuste la lumière d'environnement, la lumière clé qui va mettre accentuer mes détails, et je reviens maintenant sur les matériaux que je peux ajuster. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un véritable pont entre Adobe Photoshop et Adobe Dimension. Donc vous voyez que je peux revenir sur la texture, par exemple, de la couleur, changer sa luminosité, et c'est dynamique, c'est-à-dire que dès que j'ai enregistré l'image dans Photoshop, automatiquement Adobe Dimension est au courant. Et donc ça nous permet d'être plus à l'aise au niveau des réglages et d'affiner le résultat. Alors, un petit détail quand même, il faut toujours faire attention de faire des rendus en basse qualité pour voir le résultat, parce que c'est pas toujours visible en preview. Néanmoins, on ajuste très vite les choses. Vous voyez, la brillance, la normal map, etc. Donc là, je lance le rendu. Et le rendu étant fini, j'ai une image PSD que je récupère ensuite dans Photoshop. Pourquoi ? Bah, pour pouvoir la retravailler et finaliser le rendu de mon image avec l'objet 3D. Donc c'est un fichier PSD. Et l'intérêt de ce fichier PSD, c'est qu'il a des calques supplémentaires qui vont me permettre de sélectionner, par exemple, que le bidon, l'arrière-plan, travailler la profondeur de champ, bref, de refabriquer des masques pour pouvoir appliquer des calques de réglage spécifiques à chacune des zones de l'image. Donc ça, c'est très puissant et très pratique. On a vraiment donc un échange continu entre Adobe Dimension et Photoshop, et qui est très fluide. Ici, j'ai ajusté par exemple la saturation, j'ai mis un petit filtre photo pour réchauffer un peu mon objet, et je vais pouvoir finaliser. J'ai mis un petit flou gaussien aussi pour affiner la netteté du bidon par rapport à l'image. Donc vraiment, c'est très très puissant, et c'est extrêmement rapide de finaliser un visuel. Donc là, j'utilise toutes les options de Photoshop, notamment le fait que l'on puisse créer des calques avec des gris neutres en incrustation pour rajouter des effets. Là, par exemple, un petit effet de vignettage que je crée avec un style de calque dans Photoshop. Voilà, mon visuel est terminé, et on a bien pu voir, grâce à cet exemple, le flux de production entre Substance Painter, Photoshop et Adobe Dimension.